Ok, mon pauvre! Poli, Polycarpe! Mon frère d'une autre mère! Poli, Polycarpe! Ouais, il est là, ton frère, mec! Franco! Ouais. Comment tu vas? Je vais bien, Polycarpe! Comment tu vas? Je te salue, bienvenue! Alors, comment tu vas, mon pauvre? Je vais bien! J'admire la classe! Oh, tout va bien, mon frère! Non, mais t'es élégant, on dirait un poisson! Regarde ce mec! Aïe, mon véritable ami! Quoi, j'ai dit que j'allais te poser cette question. Laquelle? Je vais te demander, t'es musicien? Parce qu'à chaque fois que je te vois, t'es toujours mon habillé boss. Comme ces artistes de hip-hop, toujours bien branché. Bien sûr que je chante, hein! Je chante! Je comprends. Tu sais, cette voiture, je l'utilise comme couverture pour faire une ou deux choses. Tu sais non, je ne vais pas nous abandonner. Je ne vais pas nous abandonner. Parce qu'à chaque fois que je te vois, tu me rappelles toujours ce musicien américain que j'aime bien. À chaque fois que je te vois, je l'ai vu. Qui est-ce? Comment est-ce qu'il s'appelle encore, ce musicien? Drake! Oh, Drake! Drake! Bien sûr que j'aime ah Drake! Tu veux dire que je suis comme Drake? Chaque fois qu'on te voit, on voit Drake! Oh, mec, y'a pas que toi qui dis ça! Hey! Ma star, ma star! Ma star, ma star! Eh bien, mec, mon moteur a un problème. Moi, je vais le dire, Monsieur John. Monsieur John? Monsieur John, j'ai un souci avec mon engin. Il a un problème. C'est bien de rentrer aux sources. Dégage de cette voiture. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? J'ai souffert pour travailler dessus. J'ai presque fini. Et tu veux venir tout gâter? Qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? Tu n'as pas lavé ton visage? Regarde, il fait très chaud cet après-midi. Ne viens pas gâcher mon après-midi. Tu m'entends? Respecte-toi. C'est pas toi qui me donne ce travail. Vous blaguez très mal ici dehors. Dégage de là! Dépêche-toi! Tu es malade? Tu crois que ça m'amuse? Je te parle, tu es là, tu balances ton corps pour aller vers ma voiture. Respecte-toi. Je ne veux pas blaguer avec toi cet après-midi. Je suis fâchée. Viens, je peux te parler. Tu nous as toujours pas dit ce qui est arrivé à ta voiture. Hein? Monsieur John. Hein? Qui est cette fille? Qui est-elle? Oh, attends, tu veux dire Chizoba? Chizoba, tu sais, écoute, c'est une femme forte. Ah. Oui, j'ai juste loué un petit espace pour qu'elle fasse son affaire. Oh, vraiment? Oui, bien sûr. Elle est son propre patron. Oui, son propre patron. Oui, mais tu m'as toujours pas dit ce qui est arrivé à ta voiture, tu m'entends? Dis-moi la vérité, qu'es-tu venu chercher? T'en fais pas, je reviendrai vers toi. Tu reviendras vers moi? Hé, alors quand on demande aux enfants et aux garçons comme toi de se concentrer, toi tu te concentres plutôt sur les femmes? Tu ris quand je te parle? Hé, ressaisis-toi. Hé, qu'est-ce qui se passe avec ta voiture? Je suis très sérieux, je suis occupé. Monsieur John. Oui, qu'y a-t-il? Le truc est que mon moteur est en panne. Ouais. Si tu le démarres, il refuse de fonctionner. Ça ne prend pas? Il ne prend pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Hein? Je ne comprends pas. Attends, dis-moi. J'espère que tu n'as pas couché dans cette voiture avec le TT. Les gars comme toi, je connais. Monsieur John, je. Vérifie. Je vais jeter un coup. Vérifie. Ouvre le capot. Oui, la voiture est encore impec. Oui, ouvre-la et. Voici, maman. Où est ce gars? Cherche à ouvrir cette voiture, s'il te plaît. Quel... Vas-y, dépêche-toi. Ouvre le capot. Oui.
Mon ami, c'est quoi? Pourquoi tu viens t'asseoir sur ma place? T'es sérieuse là? Ne peux-tu pas me demander de venir manger? Appelé pour manger. Est-ce que je te connais? Tu me connais? Je suis un membre de ta famille pour t'appeler manger. Donc je dois être un membre de ta famille pour que tu m'appelles venir manger. Respecte-toi. Reste dans ton coin. Je reste dans mon coin. Ne viens pas m'embêter ici. Master! Ouais, mec. Chiso, ma puce. Mais pourquoi t'es comme ça, hein? Eh oh! Hein? Mon ami, si tu veux boire du tapioca, tu n'as qu'à aller acheter le tien et le boire. Ce n'est pas celui-ci que tu vas boire. Tu m'écoutes? Tu viens de là où tu sors et tu viens t'asseoir ici pour boire mon tapioca. En tant que... Je ne comprends pas. En tant que qui? Est-ce que je suis ton ami? Tu t'en vas? Mon pote, ça va? Qu'est-ce que cette fille était encore en train de te dire? Ce n'était pas facile. Hein? Elle est très dure. Ce sera difficile. Ce sera difficile, je te le jure. Hein? Mais t'as quand même essayé de la convaincre, n'est-ce pas? Comment la convaincre? Qu'est-ce que je lui ai dit? Elle m'a même pas laissé parler, mec. Hein? Écoute, détends-toi. Tu sais parfois comment sont les femmes. Elles finissent toujours par faire les manières. Elles veulent aimer d'abord. T'es un mignon garçon. Et en plus, t'es une star. T'inquiète, elle finira par tomber. Moi, j'aime bien cette fille. Je l'aime. Je l'aime bien, tu sais. Je peux le voir. Aide-moi à lui parler, mec. S'il te plaît. Même s'il faille même que je te donne un petit truc, s'il te plaît. J'aime cette fille. Y a pas de souci. Je peux le faire pour toi. T'es sûr? Bien sûr. Je vais lui parler. Ah ouais. Je vois que ton esprit est déjà avec elle. Regarde tes yeux. Mais je suis pas là pour dormir. Je vois la façon par laquelle tu la regardes. Mon esprit est pleinement, je te jure. Eh oh, bonjour maman. Eh hey, bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien maman. Iya, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon père m'a dit d'appeler Tata Tizoba pour réparer sa voiture. La voiture, Gensi. Tu es vraiment stupide. Eh, désolée, ma. Garde tes excuses pour toi. Garde tes excuses pour toi et ton père qui t'a envoyé faire une commission stupide et toi aussi tu es venue. Désolée, ma. Hein? Laisse-moi te demander. Est-ce que ta mère est mécanicienne? Non, ma. Bien. Est-ce que ta sœur est mécanicienne? Non, ma. Magnifique. Je veux dire, la première fille de ta mère. Est-ce qu'elle est mécanicienne? Non, ma. Bien. Et toi, est-ce que tu es mécanicienne? Mm-mm. Et on t'a envoyé, tu es venue pour l'appeler. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as vu nulle part où aller? En vrai, bah, mécanique. Est-ce qu'il s'y ressemble là? Je parle et tu es toujours... Itako, mba, idiote. Chizo, ma puce. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu as décidé de m'aider. Explique-moi. Depuis quand? Écoute, Chi, il y a un truc dont j'aimerais causer avec toi. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il y a un de mes potes. Un mec vraiment génial. Il t'aime à la folie. Tu me connais très bien depuis que je travaille dans ce garage. M'as-tu déjà vu avec un homme? Non, dis-moi, depuis que tu ne fais pas confiance aux hommes. Ce sont des bandits. Ce qu'ils font dans cette vie, c'est profiter de toi et t'abandonner. Prendre une autre fille, profiter d'elle et l'abandonner. Celui-ci est différent. Polycarpe est un très bon gars. Tu connais Polycarpe, non? Bien. Et en plus, il a des rêves. Avant que tu ne le saches, Polycarpe sera déjà très loin. Tu connais Polycarpe, non? Le mec assez mignon qui est venu la fois dernière pour réparer son véhicule. Polycarpe. Polycarpe, non? Le mec de teint clair et mignon. Attends. Qui est très sapé comme ça. Attends. Celui qui voulait boire mon tapioca? C'est ça, c'est de lui que je suis en train de te parler. Ce gros gourmand? Ton ami est un gros gourmand. Ah. Tu vois ton ami, on dirait que sa voiture qu'il a ne lui produit absolument rien du tout. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Je n'aime pas ton ami. Oh, tant qu'il a voulu m'aborder le jour que je buvais le tapioca? Ah. Écoute-moi très bien. Dis à ton ami que je ne l'aime pas. Que je n'aime pas les gars à la peau claire. Mais tu ne dois pas parler de lui comme ça. Avec qui? Je te signale que ce mec a des projets. Quel genre de projets? Des projets. Tu vas bientôt entendre qu'il a percé. Et en plus, il t'aime bien, Shizuma. Donne-lui juste une chance. Je n'aime pas ton ami. Donne-lui une chance. Je dis que je n'aimais pas ton ami. C'est quoi ton problème? On dirait que... Tu n'aimerais pas que je te dise quelque chose que tu ne veux pas entendre. Hé, hey, recule. Tout ce que j'ai dit, tu ne... J'ai dit, permets-moi de travailler. Qu'est-ce qui ne va pas?
Ce garde t'a envoyé venir me parler. N'a-t-il pas une bouche pour le faire? Non, mais juste de... Attends, fous le camp, s'il te plaît. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu aimes gâcher mes affaires? Quelle affaire? C'est quoi tout ça? Quelle affaire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi as-tu dit au fils de Mazio Sendou d'arrêter de demander mes services? Tu es bête maintenant? Parce que tu sais que ce que tu fais est mal. Si tu faisais ce qui est légitime, si tu faisais ce qui est bien, approprié pour une jeune femme comme toi, tu ne serais pas en train de bégayer comme ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, maman. Hey. Je n'aime pas ça, oh. Hey, néanmoins, bon. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi très bien. Hmm? Tu n'as pas encore commencé à crier. Hmm? Une fois que j'irai annoncer aux gens, portail par portail, porte par porte, les avertir, hein, viens en Kananti, les avertir sérieusement qu'ils arrêtent de demander tes services. Sinon, ils auront affaire à moi. En ce moment, tu commenceras à verser des larmes. Maman, idiote. Arrête d'être rabat-joie, arrête ça. Habitue-toi, ça c'est tout. M'habitue, habitue-toi. Je ne le ferai ce pas. Ce travail, c'est ma destinée. Jamais c'est ma destinée. Ça ne l'est pas. Je le dis, j'espère que tu as compris. Ça ne pourra jamais être ton destin. Laisse-moi ça tranquille. Ça ne pourra jamais être ton destin. Ça ne pourra jamais laisse-moi être ton tranquille. Destin. Laisse-moi tranquille. Enfant maléfique, ça ne le sera jamais. Hey, quel genre de destin? Destin, hey, destin, quel genre de destin? Jamais de la vie, ce ne sera jamais ton destin. Jamais de la vie. Hey, oh Seigneur, mes ennemis. Ils sont à l'œuvre, ils sont à l'œuvre. Les gens de la maison, les gens du village, ils sont venus, ils m'ont suivi en ville. Hey, Seigneur. Ah, non, 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 non. Tu dois intervenir dans l'autre-ci. Tu dois intervenir dans l'autre-ci, ça ne pourra jamais être le destin de ma fille. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qui êtes-vous? Qu'est-il arrivé à mon frère? Calmez-vous. Détendez-vous. Détendez-vous. Ça va, c'est mon frère. Parlez-moi, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Que s'est-il passé? Je vous en prie, détendez-vous. Il ira bien. Vous ne faites que dire, détendez-vous, détendez-vous. C'est une bébé. Bébé, Franck, bébé, bébé, parle-moi s'il te plaît. Je t'en prie, parle-moi s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Bébé, je t'en prie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce s'est-il passé? Qui êtes-vous? Calmez-vous, allons-nous. Bébé, vas-y doucement. Que s'est-il passé? Ma sœur, que s'est-il passé? Parle-moi. Calmez-vous. Tu ne fais que calme-toi, c'est une longue histoire. Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Franck, s'il te plaît, parle-moi, que s'est-il passé?
Où en es-tu? Mec, j'ai parlé à cette fille. Je lui ai parlé jusqu'à épuisement, mais elle continue à résister. Oh. Je ne sais plus quoi faire. J'aime cette meuf. Je sais. Écoute, c'est comme ça que les affaires de femmes se passent. Regarde ce que je suis en train de faire. Je vois ce que vous faites. Clamolette. Pardon? Je dis clamolette. Laquelle? Apporte-moi le reste des outils. Va me les apporter rapidement. Mais quelle abruti ce garçon. Tu comprends? Surtout ne baisse pas les bras. Aussi longtemps que ça dure, n'abandonne pas. Continue d'insister et je sais qu'avec le temps, elle finira par céder. D'accord, nous allons en parler plus tard. Bonne chance. Vas-y, t'inquiète pas les ennuis. Allez, va. Ah non, t'inquiète pas, je suis un professionnel, tu sais. Je sais quoi faire. Comment il s'appelle, Polly? S'il te plaît, peux-tu m'apporter les outils? D'accord, pas de soucis. N'en fais pas, on va réparer ta voiture, ok? Sans problème. T'inquiète pas, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Je l'avais bien dit. J'avais dit qu'il y avait quelque chose sur ce garçon qui m'irritait. Hein? Comment un homme peut-il passer devant moi et mon cœur fait... Ça bat comme ça. Il a des mauvais esprits. En fait, c'est Papi Wata. Comment peut-il être aussi jaune comme une banane? Seigneur, je t'en prie, tu dois guérir mon frère, s'il te plaît. Seigneur, rien n'arrivera à mon frère. Cette maladie ne mettra pas fin à sa vie. Cette maladie ne mettra pas fin à la vie de Franck. Jamais de la vie. Tu as dit que tes enfants vivront pour voir leurs arrière-petits-fils. Et tu as aussi dit... que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole s'accomplisse dans la vie de mon frère. La même maladie a pris la vie de mes trois frères. Mais ma mère... Ne dis pas quoi? Seigneur, pas encore. Pas encore. Ça va aller. Il vivra pour témoigner la bonté et les merveilles du Seigneur sur la terre des vivants. Tu ne mourras pas. Prends-moi sa place. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Qu'il prenne ma vie. Il ne mourra pas. Ma vie. Ça va aller. Franck ne mourra pas. Seigneur, prends ma vie. Il ne mourra pas. Tu ne vas pas mourir. Prends-moi et laisse-le pour moi. Il ne va pas mourir. Ton frère ne va pas mourir. On va vivre. Il ne va pas mourir. Dieu ne permettra jamais que cela arrive. Ok. Seigneur, s'il te plaît, viens le guérir. Tu es le seul qui possède la guérison. Pourquoi ne le libères-tu pas? Père, viens le guérir. Viens guérir mon frère pour moi. Oguna, c'est bon. Ça va aller. Dis-moi, tu veux te tuer? Tu pleures déjà depuis Dieu seul sait combien de temps, hein? C'est bon. Tu vois? Dieu m'aime beaucoup. C'est Dieu m'aime énormément. Hein? Merci, Seigneur. Hein? Dieu merci, j'ai pas épousé ton frère quand vous me l'avez demandé. Regarde sa situation. J'aurais été celle qui aurait subi un stress inutile. Hein? Désolée, hein? Donc, désolée.
Ogona. Ogona. Dis-moi, qui est cette fille avec qui il est rentré? Ifi, je ne sais pas. Elle pourrait être sa petite amie, je ne sais pas. Sa petite amie? Je ne sais pas. Et elle a accepté juste comme ça? Hey! Waouh! Ce n'est pas vrai, ça. Certaines filles sont fortes. Dieu sait que je ne peux pas traverser un stress inutile. Et ça te va si tu peux démarrer la voiture? Démarrer quoi? Allez, démarre encore. Rien ne se passe. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Démarre encore. J'irai moi-même la démarrer. Mais cette voiture ne démarre pas. Elle ne démarre pas. Tu sais d'avoir bien démarré la voiture. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? N'est-ce pas le travail que vous faites ici? Le contact, c'est le contact. Monsieur John, vous avez gâté ma voiture. Vous l'avez foutue en l'air. Comment ça j'ai gâté ta voiture? Je n'ai pas gâté ta voiture, j'essaie de la réparer. Ma voiture est passée de mal à pire. N'est-ce pas toi qui l'as gâtée? C'est toi qui l'as gâtée. Poli, papa, écoute, il faut que tu te calmes. Calme-toi, écoute, cette voiture, j'ai absolument tout fait pour la faire redémarrer. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle marche. Mais on dirait que tu dois vendre cette voiture. Tu dois vendre cette voiture parce que cette voiture est devenue une poubelle. Tu entends ce que M. John me dit? Doucement. Tu entends ce qu'il me dit? Il me demande de vendre ma voiture. Que veux-tu que je dise? Cette voiture est foutue. Écoute, si tu changes pas cette voiture te changera. Mais c'est bon, doucement, mon pote. Mais dis à moi. Allez, doucement, essaye de te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Allez, mon pote. Calme-toi. Allez, monsieur, essayez de vous expliquer. Écoute, maintenant tout est foutu. Monsieur Polypopo, calme-toi. Monsieur Polypopo, calme-toi. La seule bonne. Laisse-moi te parler avec un esprit clair. Écoute, cette voiture est presque gâtée. Écoute, à mon avis, tu vois, je te demanderai de l'amener à l'Adipo. Comme ça, on pourra la vendre. Parce qu'il ne reste absolument rien de bon dans cette voiture. Tu comprends? Monsieur John! Oui! N'ai-je pas acheté les accessoires que vous m'avez demandé pour cette voiture? J'ai pratiquement tout acheté! Oh et tu Dieu. Me dis que ma voiture est une poubelle! Que ma voiture est vieille! C'est ce que tu me dis! C'est ce que j'ai dit, la voiture vieille! Tout ce qui te reste à faire, c'est de la changer, de la vendre! Pourquoi t'as pas dit qu'elle était vieille quand je l'ai amenée ici? Pourquoi tu l'as pas dit? Mais c'est dur dessus! Tu peux leur demander! Est-ce que c'est pas vrai? Même le moteur, nous avons finalement changé le moteur! J'ai tout changé à l'intérieur! Monsieur John, oui. C'est ce que tu me dis à moi. Honnêtement, amène-la à la Dipo. Hey. Si tu l'amènes à la Dipo, tu la vendras et c'est mon dernier mot. Amène-la à la Dipo. Monsieur John, c'est ce que vous me dites. Amène-la derrière à la Dipo. Monsieur John, c'est ce que tu me dis. Pourquoi allez, tu l'as pas fait quand je suis venu ici? Doucement. Doucement, tu vois ce que tu fais? Tu sais qu'il ne sait pas expliquer. Regarde ma voiture. Regarde-la. Est-ce que t'as vu ma voiture? Doucement, mon pote. Hein? Le moteur est foutu. Est-ce que cette chose est censée être ici? Elle est censée être là? Le radiateur est derrière le moteur. C'est censé être comme ça. Il ne sait même pas comment parler à quelqu'un. Tu regarde ma voiture, qui va l'acheter maintenant? Dis-moi qui? Regarde, le radiateur est censé être là-bas. Blessing, je veux te remercier d'avoir bien pris soin de mon frère. Dieu te bénira pour moi. Tu aurais pu partir. Tu aurais pu l'abandonner là-bas, qu'il meure. Mais tu as choisi de rester. Tu as choisi d'être là pour lui, de prendre soin de lui. Et finalement, tu l'as amené à la maison pour moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu continue de te bénir. Amen. Regarde, écoute, Ogona. Franck et moi, nous sommes venus de loin. Très loin. Franck est un homme qui a un bon cœur. Je me souviens quand ma mère était malade. Je n'avais personne d'autre sur qui compter. C'était Franck. Qui a pris soin de ma mère. Bien avant que je ne la perde. Comment est-ce que je pourrais abandonner un homme qui a si bon cœur? Jamais. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de lui. Et je veux que tu fasses également ça, ok? S'il te plaît. S'il te plaît, ne perds pas espoir. Laisse s'il voir. Te plaît. Aie la foi. Ton frère ne va pas mourir. Amen. Il ne faut jamais avoir cette notion, ou même couler des larmes. S'il te plaît. Je suis là pour lui. Je serai ici pour lui à chaque étape du processus. Ok. Merci. Il ne mourra pas. Et autre chose. Prends-moi comme une sœur. Je vais m'occuper de ta sœur et toi. Si tu as des choses à partager, dis-le-moi, je m'en occuperai. Ok. Merci beaucoup. Combattons cette bataille. Et nous allons gagner cette bataille. Fais-moi confiance, nous gagnerons. Blessing, merci. Il n'y a pas de quoi. Tu as vraiment fait ma journée. Des mots d'encouragement. Je suis vraiment reconnaissante. Pas de quoi. Que Dieu te bénisse. Je le ferai, ok?
Allô, Shima. Dis-moi, ma voiture est foutue. Ma voiture est finalement foutue. Mon mécanicien finalement a achevé ma voiture. Dis-moi, si tu vois ma voiture maintenant, si tu la vois, tu ne vas plus la reconnaître. Ça ne démarre pas, rien ne marche. En fait, je vais vendre la voiture, je vais la vendre. Je veux la vendre aussi rapidement possible. Si t'es intéressé, fais-moi signe. Laquelle? Le phare? Le phare est là, il est en état. À combien tu veux l'acheter? Ah, mais dis-moi, pourquoi tu parles de la sorte? Tu vois, c'est vraiment de la bombe. Toyota. Shizoba? Ça va? Ce n'est pas un Qu'est-ce petit problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas du tout un petit problème. Polycarp peut venir avec sa voiture en panne pour qu'on la repare. Nous avons réparé la voiture et M. John a fait absolument tout ce qu'il a pu. Il a dit que la voiture allait démarrer, mais c'était le contraire. Comment est-ce que je peux vendre ce phare à ce prix? Apporte 5 000. Et c'est parce que c'est toi, hein? C'est parce que c'est toi. Pour l'échappement, n'en parle pas, une autre personne l'a réclamé. Je vais le vendre. Les deux pneus vont bien, celui de l'arrière aussi, et c'est du pur diamant. Tu connais le genre de pneus que j'utilise, c'est du diamant. Alors si t'es intéressé, laisse-moi... Quoi? Radiateur? Ha! S'il te plaît, n'en parlons plus. Je vendrai le radiateur quand je n'aurai fini avec tout l'accessoire de la voiture. Parce que là où le radiateur se trouve, il est très bien positionné. Ce mec a mis le radiateur derrière le moteur. Est-ce que tu ne comprends pas? Ma voiture est foutue. Shizoba, ne t'en va pas. Je ne sais pas pourquoi quelque chose est en train de me dire. Quelque chose est en train de me dire que si tu répares cette voiture, elle va fonctionner. Qu'est-ce que tu veux dire? Une voiture que M. John a travaillé toute la nuit, il n'a pas réussi. Je vais réussir, moi. Allez, oublie M. John. Oublie M. John, s'il te plaît. Oublie M. John, tu as tes propres grâces qui te suivent. Oublie M. John. Essaye cette voiture. M. John a son niveau. Moi, j'ai mon niveau. Essaye cette voiture. Tout ce qui va m'apporter des problèmes avec quelqu'un ici, je refuse. Comme tu me dis de travailler sur cette voiture ensuite, il vient m'accuser de voler ses clients. Non. Que feras-tu? Non. Si tu répares cette voiture, elle va marcher. Si tu touches cette voiture, elle va marcher. Je suis très sûr de mon instinct. J'ai cette ferme conviction que c'est possible. Ça ne va pas t'attirer des problèmes. Ah, ça ne va pas m'apporter d'ennui. Cela dépasse ce problème qu'il y a déjà. Ça ne dépasse pas les problèmes qu'il y a déjà, non? Vas-y, va le faire. D'accord, je vais lui parler. Sois juste patiente, s'il te plaît. Pas de soucis si tu viens, mais mets-moi juste au courant. Pas de soucis. Mec, en tentant d'appeler les gens à venir acheter ces pneus, as-tu l'intention de la vendre en pièces détachées? Mais je vais vendre la voiture. Mec, n'écoute pas ce que M. John raconte. Sois un peu plus patient. Sois patient. Écoute, hein, quelque chose au fond de moi me dit que... Quelque chose me dit que si Shizoba touche cette voiture, je suis sûr qu'elle va marcher. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? J'en suis très sûr. Une voiture que ton patron et toi n'avez pas pu réparer, c'est une femme qui va le faire. Mec, oublie M. John, hein. Oublie-le. Combien de voitures répare-t-elle en une journée? Qui est-ce qui est dans cet atelier? Qui d'autre est dans cet atelier? Combien de voitures? J'ai vu sortir d'ici. Je te dis que ça va marcher. Je sais de quoi je parle. C'est nous qui travaillons ici, non? C'est nous qui travaillons ici. Ça va marcher. Je sais de quoi je parle. Donne-lui juste une petite chance. Donne-lui juste une chance. Ça va marcher. Pas de soucis. Prends juste la clé, s'il te plaît. J'ai dit à quelqu'un de venir. Je vais l'indiquer l'endroit. Non, n'appelle personne pour venir acheter. Qu'est-ce que tu racontes? Donne-nous juste quelqu'un m'a appelé. Il faut bien que j'aille le chercher. Je vendrai ce pneu tout à l'heure. Je sais pas de quoi tu parles. Tiens les clés. Mmh. Allez, commence immédiatement, non? Non, je ne vais pas pouvoir la travailler maintenant. Je vais terminer ce que je faisais. Si je finis celle-là, je vais revenir ici, d'accord? Non, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas les problèmes, pas de problème. Non. Tu connais la mentalité des Yoruba. Ces gens ne comprennent pas comme nous. Laisse-moi d'abord fermer ce capot. Tu es folle? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux brûler mon uniforme? Shizoba, dépose ça. Shizoba, je t'ai demandé de déposer ça. Je ne dépose rien. Je vais te brûler avec ces vêtements. Ne me mets pas au défi. Je ne dépose rien, maman. Shizoba, dépose ça. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Dépose ça maintenant. Maman, pour. Shizoba, ne me mets pas au défi. Je vais te brûler. Shizoba. Pourquoi me détestes-tu tant? Pourquoi? Pourquoi tu me détestes autant? Shizoba. Je ne te déteste pas, mais je déteste le travail que tu fais. Je le déteste tellement, je le déteste.
Et laisse-moi te dire, tu n'auras jamais la paix dans cette maison jusqu'à ce que tu quittes ce travail. Tu n'auras jamais la paix. Donne-moi ces vêtements. Maman, si tu tombes, ne dis pas donne-moi que c'est poussé. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pris ces vêtements depuis pour les brûler avant qu'elles ne rentrent. Je déteste ce travail. Je déteste ce travail. Oui, je le déteste. Je le déteste. C'est pour cela que je veux brûler ces vêtements. Hein? D'ailleurs, je n'en ai pas encore terminé avec toi. Bébé, tu dois manger. Ok? Bébé, s'il te plaît. Essaye de manger quelque chose. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, bébé. Je t'en prie. Buna. Buna. S'il te plaît. Aide-moi à supplier. Blessing de rentrer. De rentrer en ville. Et laisser un homme mourant comme moi tranquille. Hein? À quoi est-ce que ça servira si elle reste? Hein? Ce n'est pas comme si j'allais survivre. Bébé. Ma vie est insignifiante sans toi. Comment est-ce que tu veux que je rentre en ville? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bébé, qu'en est-il de ton travail? Écoute, bébé, mon travail peut attendre pour le moment, jusqu'à ce que tu te portes mieux. Je ne peux pas te laisser dans cet état, tu le sais, n'est-ce pas? À cause de moi. Bébé, s'il te plaît, ne me demande pas de partir. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie. Mange. Ok. Mange. S'il te plaît. Mange. S'il te plaît. Je t'en prie. Désolée. 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 Ça va? Oh, mon Dieu. Désolée, désolée. C'est celui-ci, n'est-ce pas? Tu es fou, ce sont mais les clés. Je te ok, je vais le chercher. Et c'est parti. Ça fait combien d'années que tu es ici et tu ne connais pas ce travail? Et est-ce en plus, que tu je t'avais dit qu'elle est très laborieuse. Laisse tomber, laisse tomber. Monsieur John. Non, 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 attends, attends. Va la démarrer. Attends, attends, attends. Tu sais comment conduire? Donne-moi ça. Je mets l'eau avant que tu ne démarres. Mets pas de l'eau. Laisse tomber. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je te l'ai pas dit. Je te l'avais c'est dit. Voiture. C'est je te l'avais dit. Elle a démarré. C'est génial. La grande Chizoba. Allez, stop là. Ne t'avais-je pas dit? Ne t'avais-je pas dit? Je te l'avais dit. Ne t'avais-je pas dit? Regarde. Je te l'avais dit. Ne te l'avais-je pas dit? Ne te l'avais-je pas dit? Elle n'a pas eu besoin de mettre de l'eau. L'amour, l'amour, l'amour. Ouais, regarde. Je t'avais dit, non? Je te l'avais dit. Ouais. La mécanique dans le sang. La mécanique dans le sang. La grande Chizoba. La mécanique dans le sang. Je te l'avais dit. Eh bien, je te l'avais dit, non? Ma voiture va rouler. Mécanique dans le sang. Mon argent. Paye-moi bien mon argent. J'ai regarde, regarde, ma voiture. Elle est forte. Nous l'avons fait. Avec elle, tu ne seras plus. Tous les deux. Tous les deux. Formidable. Nous l'avons fait. Tous les deux. Ouais. Tous les deux. Que fais-je tout, demander tout, de plus? Tout ce temps que... Laisse-le, mon pote. Viens. Akpo. Il met le radiateur derrière le moteur. Akpo. Akpo. Une femme intelligente. Tu as du potentiel, toi. Tu as du potentiel, toi. Mais je t'ai dit que mon pote est un mec réglo. Mais tu ne m'as même pas bien payé. Cette chose que j'ai chargée, je ne l'ai même pas bien chargée.
Mais c'est encore un débrouillard, non? C'est encore un débrouillard. Chizzy, hein? Comment va le travail? Ça va très courage, bien. Courage, courage. Oui. Courage. Ah, Dieu merci. Quelque chose est venu et je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle. Oui, bien sûr. Tu sais, avant que tu ne viennes ici, nous rejoindre, avant que je te donne cet espace pour rester. Oui. Voilà, je t'ai dit qu'il y a quelqu'un qui était censé être là. La personne est de Kogi. Alors? Alors, il se trouve que la personne est sur le point d'arriver. Pour occuper sa place. Alors, je te supplie au nom de Dieu. Tu me comprends? S'il te plaît, débrouille-toi à trouver un endroit. Ailleurs ou dans les environs. Je t'en prie, faut partir. Oui, va où tu veux et trouve-toi tes clients là-bas. Comme ça, ils pourront t'inviter. Tu trouveras un endroit où tu pourras réparer tes voitures. Tu pourras réparer des voitures que j'ai déjà réparées avant, il n'y a pas de problème. Ou si tu veux porter le radiateur que j'ai déjà eu à porter, et le répéter, et le changer pour le blanc qu'il a arrangé, pas de souci. Et si tu veux faire la sorcellerie, oui, si tu veux faire la sorcellerie, peu importe où j'ai envie de le faire, va le faire dans ton nouvel endroit. Et si, c'est terminé. S'il te plaît, faut partir, parce que la personne de celle qui vient de Kogi est sur le point d'arriver. Monsieur John, écoutez... Et toi, j'ai du poisson à faire frire. J'ai du poisson... Ah, monsieur John, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à monsieur John, non? Hein? Pourquoi il ne m'a pas dit que quelqu'un venait prendre cet endroit avant? Hein? Pourquoi il se comporte de la sorte dont maintenant il me vire comme ça? La jalousie. Je dis que c'est de la jalousie. Regarde, depuis que tu as réparé la voiture de mon pote et qu'elle a fonctionné, c'est depuis ce jour-là que j'ai remarqué qu'il est jaloux de toi. Il est jaloux Pourquoi de toi. Pourquoi est-il jaloux? N'est-ce pas lui qui a dit que la voiture était gâtée? Qu'il ne peut pas arranger la voiture. Il a dit au garde d'aller vendre la voiture à Lapido. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'il a dit? La jalousie, c'est de la jalousie, n'est-ce pas évident? Aussi clair qu'une image télé, c'est de la jalousie. Moi pour cet endroit. La jalousie. Il n'est pas de moi. Il ne peut pas me chasser comme ça. La jalousie. Mais pourquoi? C'est la jalousie. Monsieur John. La jalousie. Monsieur John, non. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il t'a déjà viré, et c'est tout. Monsieur John, ce n'est pas du tout sérieux ce que vous faites. Eh oh, né. Né. Nenéo. Pourquoi es-tu encore assise? Tu n'es pas allée à ton soi-disant atelier de mécanique? N'est-ce pas cet idiot? N'est-ce pas cet idiot qui m'a donné cet endroit à l'atelier? Peux-tu imaginer? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu ne fais que dire idiot, idiot, idiot. Il m'a viré. Juste comme ça. Je ne lui ai rien fait. Il m'a viré comme ça. Il m'a donné une lettre de licenciement. Il m'a viré. Comme ça. Et c'est lui le premier à bavarder. Nya 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 nya. Nya nya nya. Comme si c'était mon Dieu. Tchelo, Kene, tu vas trop vite. Tchelo, est-ce que tu as dit que le propriétaire de l'atelier, je veux dire, le propriétaire de l'endroit où tu fais ta mécanique, a demandé que tu partes? Genre, tu prends tes affaires et tu pars? Il va virer, oui. Hey, alléluia, Jéhovah, hey, Obizigbe, merci monsieur. Hi, et que ne dilige maman, Odija Motito, merci beaucoup. Hein? Ce que je cherchais, et Najonukenu, Nikuanokana, ce que je cherchais, pensant que c'était loin, alors que c'était près. Ah, Jésus a répondu à ma prière. Tu vois comme c'est là, hein? Je devrais danser, Makosa. Je devrais jubiler. N'importe quoi. Gloire à Dieu. Pour une grande chose qu'il a fait pour moi. Tu es content du fait que j'ai perdu mon travail? Bifa encore? Oui. Comme je l'ai dit, je suis contente. Je suis en train de danser. Le Makosa. Quand tu es contente... Pourquoi est-ce que je ne serai pas contente? Est-ce une profession noble pour une jeune femme comme toi? Pour une belle femme comme toi? Hein? C'est ce que tu as choisi pour toi. La mécanique. Donc parmi toutes tes professions. Tu es contente. Je comprends maintenant que tu ne m'aimes pas. Mmh. Oui. Je ne suis pas sûre que tu aies ma mère. Si ton bonheur dépend de cette bêtise ou je ne sais quoi, que ce bonheur meure aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ça meure. Tu aies ma mère. Que ça meure. Tant que tu me souhaites le malheur, tu es la cause de mon malheur dans cette maison. Donc tu es la personne... Arrête ça. Ce n'est pas un bon travail pour Maintenant, toi. Je comprends. Ce n'est pas un bon travail pour toi. Arrête ça. Je suis contente. Je comprends. Oui. Que tu me détestes. Tu me détestes. Tu pries pour ma chute. Regarde-toi.
Et tu te dis être ma mère. Hey, ma il mère y a les avocats. Pour mon malheur. Les avocats. C'est pas vrai. Il y a les docteurs. Pour mon malheur, tu dis que tu es ma mère. Tu dis que tu es ma mère. Les enseignants. Tu n'as rien choisi. Tu veux choisir la mécanique. Va porter la saleté. Allô, Mba. Va porter la saleté. Awebo. Va porter la saleté. Awebo. La saleté des gens. Va porter la saleté des gens. N'importe quoi. Hey. Cet homme a fait du bon travail pour moi, oh. Et regardez ça. Cet homme mérite Mounyanko, une boisson chaude. Je pense que je dois aller le remercier. Le remercier pour un bon travail. Un travail bien fait. C'est reparé ce truc, non? Je l'ai rangé. Qu'est-ce qui se passe, ça? Okay, est-ce que vous avez regardé de ce côté? Comment cette femme peut dire que ce truc que j'ai reparé ne marche plus? Attendez, okay. Peut-être que vous devez essayer avec essayer un peu avec cet outil. Peut-être que vous devez juste... Je comprends plus. Insérer. Oh mon Dieu. Voyons voir. Je ne comprends pas. Il faut juste... Mes amis, bonjour. Bonjour, monsieur. Polly dans la carte. Ouais, chef. Hé, hey, mon pote. Dès que tu auras terminé, tu vois, mets-moi... La star. Oublie, monsieur John. Mais qu'est-ce qui se passe? Oublie, monsieur John. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Où est Tizoba? Ah, t'es pas au courant? Entendre quoi? Tizoba ne travaille plus ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur John l'a renvoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans tous les cas... Non, attends. Ne va pas le voir, s'il te plaît, ne va pas le voir. Je ne veux pas que tu ailles le voir. Ce mec est très méchant. Si tu vas le voir, il dira que c'est moi qui te l'ai dit. Et il va aussi me virer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Tizoba a fait? Hein? Mon pote, écoute. Laisse-moi te dire, ta voiture que Tizoba a réparée, c'est ça qui a causé ce problème. Monsieur John est tellement fâché. Il est jaloux parce que la voiture qu'il a essayé à plusieurs reprises de réparer et que nous-mêmes nous avons essayé de réparer, Tizoba, elle a été capable de le faire. Et c'est à cause de ça, à cause de cette jalousie qu'il a renvoyée. Donc c'est à cause de ça qu'il a viré Tizoba. C'est ce que je te dis, la jalousie. Aïe. Ouais. Cet homme est mauvais. Très méchant. Encore très méchant. S'il te plaît, je veux le numéro de Tizoba. T'as son numéro, n'est-ce pas? Ouais, passe-le-moi. Je vais l'appeler. S'il te plaît, ne le dis pas comme c'est moi qui t'ai... Non, c'est moi qui t'ai... comme ça. Okay, c'est moi qui t'ai oublié. Vas-y, prends-le. Allô? Allô? Oui, qui est-ce? Ah, Tizoba, c'est moi, Polycarp. Qui? Ok, je sais que t'es pas familière avec le nom. Tu te rappelles du gars que t'as réparé la voiture l'autre jour? Oh. C'est toi? Comment tu as eu mon numéro? c'est moi. Et pourquoi tu m'appelles? N'ai-je pas arrangé ta voiture? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas d'humeur maintenant. Pardon, je ne suis pas d'humeur, je vous en prie. Allô? Allô? Tizoba? Elle m'a raccroché au nez? Nobody way no fit to win. Nobody may no fit to win. Ok. Nobody. Ok. Mec, Tizoba n'a pas bien répondu. Et pourquoi? Elle n'a pas bien répondu, je te le jure. Regarde, ok, s'il te plaît, peux-tu me donner son adresse pour que j'aille chez elle? Quoi? Non, s'il te plaît. Je peux pas te dire où est-ce qu'elle habite. Comment se sentira-t-elle de savoir que sans son consentement, je t'ai donné son adresse? Je t'en prie, réfléchis un peu. Ok, tu sais que t'es mon pote. Si c'était moi, je l'aurais fait pour toi. Hein? Je l'aurais fait pour toi, s'il te plaît.
Si c'est de l'argent que tu veux, je vais te le donner, s'il te plaît. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent. Si c'est quelque chose que je peux faire, je le ferai pour toi. Mais, ok, n'est-ce pas toi qui m'as donné son numéro? Tu peux toujours me donner son adresse. Non, c'est deux choses différentes que nous sommes en train de parler. C'est deux choses différentes. Hein? Comment voudrais-tu que je te donne son adresse sans qu'elle soit au courant? Tu connais les femmes. T'as déjà demandé quelque chose auparavant. Si je te le demande, ça veut dire que c'est très important pour moi. Mais aide-moi, mec. Aide-moi, s'il te plaît. Seigneur. Désolée. C'est bon, bébé. Désolée. Seigneur, s'il te plaît. Calme-toi. Nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît. J'ai peur. Ndowanem. Mon frère, sois fort. Seigneur. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera, rien ne t'arrivera, rien ne t'arrivera, rien ne t'arrivera. Emmenons-le à l'hôpital. Ça devient vraiment incontrôlable. Non, ce n'est pas nécessaire. Que veux-tu dire? Ce ne sera pas nécessaire pour nous d'aller dépenser le peu que nous avons. Qu'est-ce que tu racontes? Ta vie est vraiment plus importante pour nous que toute autre chose. Ogona. S'il te plaît, garde l'argent. Vous pouvez l'utiliser. Utilisez cet argent. Je serai parti. Jamais de la vie. Fang, peux-tu arrêter ça? Peux-tu être heureux? C'est quoi ça? Tu dois être positif. Arrête de dire ça. Tu dois te battre. Pourquoi, Fang? Rien ne t'arrivera. D'accord. Ok. De mes quatre frères, tu es le dernier qui me reste. Maintenant, tu dis ça. Comment vais-je m'en sortir? Bébé, tu dois combattre la mort. Tu es un homme fort. Tu peux le faire. Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Doucement. Toc-toc. J'ai appris ce qui s'est passé. J'ai entendu dire que t'avais été viré à cause de moi. Je t'en prie, va-t'en. Je veux être seule. Et je ne veux parler à personne pour le moment. Ok, comment crois-tu que nous pouvons... Dis-moi, comment crois-tu que nous pouvons arracher ce radiateur? Comment crois-tu que nous pouvons travailler sur ce radiateur? Hein, vas-y, dis-moi. Monsieur John, ce truc est foutu. Il faut un nouveau. Il va falloir acheter un nouveau. Vous savez, boss... Ok. Ah. Shizuba, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aime pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi as-tu...
pourquoi as-tu donné mon adresse à cette banane jaune? Pourquoi? Ah! Je ne lui ai pas du tout donné ton adresse. Je lui ai donné ton numéro de téléphone, mais pas ton adresse. Tu ne lui as pas donné mon adresse? Tu ne lui as pas donné mon numéro de téléphone? Je lui ai donné que ton numéro. Pourquoi lui as-tu donné mon numéro? Est-ce que je t'ai dit de lui donner mon numéro? Il a dit qu'il voulait te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il a insisté qu'il voulait te dire quelque chose. C'est pour ça que je lui ai donné ton numéro. Qu'est-ce qu'il y a? Chizzy ou Chizoba, je m'en fous. Écoute, je t'ai dit de ne plus jamais venir ici. Je t'ai pourtant très bien dit d'aller chercher un endroit où tu peux changer tes carburateurs et également tes radiateurs. Et où tes clients pourront soulever tes fesses. Allez, monsieur, Oui. Je te l'ai dit, ne viens plus jamais ici. Hé, ferme-la. Respecte-toi. Ah. Respecte-toi, non, c'est quoi, je ne suis pas venue ici pour jouer avec toi. Je ne suis pas là pour plaisanter avec toi. Qu'est-ce que je vois là? De quoi je me mêle avec ton atelier? Attends, tu crois que j'aime trop être ici? Vas-y doucement, allons. Je suis venue prendre le reste de mes affaires, ok? Je m'en fous du reste. Si tu pouvais savoir ce que je peux te faire. N'importe quoi. Chizoba. Ok. Monsieur. J'ai placé là et on me fait du n'importe quoi. Monsieur, ce n'est qu'une femme, hein. Ce n'est qu'une femme. Ah. Allez, monsieur, ce n'est qu'une femme. Ne vous enflammez pas comme ça. Ce n'est qu'une femme, à la fin. Ce n'est qu'une femme. Oui, elle m'insulte. Sous tes yeux. Oh, je n'en reviens pas. Une femme, c'est en face de moi et m'insulte. Ça, jamais. Allez, monsieur, vous risquez de tuer quelqu'un, hein, à la fin. Doucement, doucement. Jamais. Tu sais, m'insulte. Essayez de vous calmer. Tu m'insultes. Attends, où est-elle? Où est-elle passée? Ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Doucement, vous allez tuer quelqu'un. Doucement, vous allez tuer quelqu'un.
Désolé. Désolé pourquoi? Fiche-moi le camp. Je suis vraiment désolé. Je te déteste. Reste loin de moi. Watakome. Watako. Otaku. Otaku. Luffy, je veux que tu t'en ailles. S'il te plaît, va-t'en. Et trouve-toi un meilleur homme. Chaque matin, quand je me réveille et je te vois dans ce village, ça me fait mal. Ça rend ma condition pire. S'il te plaît, va-t'en. T'inquiète pas, va te faire plaisir. J'irai bien. Non, je n'irai nulle part. Comment je pourrais te laisser dans cet état, dans ces conditions. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Écoute. Bébé, je n'irai nulle part. Je sais que nous affronterons ceci ensemble. Tu iras bien. Je le crois vraiment. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Ne baisse pas les bras pour moi. Je t'en prie. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais, Franck? Qu'est-ce qu'il y a? Franck, qu'est-ce que Franck, c'est Franck, qu'est-ce que tu fais? Franck, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu iras bien, j'y crois. Je sais. S'il te plaît, ne me demande pas de partir. S'il te plaît, Franck, ne me demande pas de partir. Je t'en prie. Franck, s'il te plaît, je t'en supplie. Franck, ne fais pas ça, s'il te plaît, bébé. Franck, s'il te plaît, je t'en supplie, ne la repousse pas. Franck, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Écoute ta sœur pour nous une fois. Nous allons surmonter ça. Nous sommes dans le même bateau. Tous les deux. Blessing. Nous sommes dans le même bateau, bébé. Voici un chèque de 4 millions de naira. Prends. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Franck. Prends le juste, va-t'en. Franck, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie. Va te chercher un meilleur homme. Franck, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, écoute. Tu es ma vie. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Franck, s'il te plaît. Franck, s'il te plaît. Nous allons surmonter ça ensemble. Crois-moi. Prends juste ce chèque. Non, je n'ai pas besoin de ce chèque. Pourquoi me traites-tu pareil, bébé? Bébé, s'il te plaît. Franck, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Accorde-lui son souhait. Elle veut rester. Je ne veux pas. S'il te plaît, je t'en supplie, Franck, ne me demande pas de partir. Je veux juste qu'elle parte. Je veux juste qu'elle parte. Et se trouve un meilleur homme. Un homme bien portant. Pas un homme mourant comme moi. Oguna, regarde. Désolé. Regarde-moi. Qu'est-ce que je peux lui donner ?
Frank, s'il te plaît. Je ne suis pas assez en santé. Peux-tu arrêter? Arrête, arrête ça, s'il te plaît, arrête. Laisse-la décider d'elle-même. Elle est ici parce qu'elle t'aime. S'il te plaît, ne la repousse pas. Je t'en supplie, ne le fais pas. Oguna. Grand frère. Je l'aime tellement que je ne pourrais pas supporter la voir souffrir. Je sais que tu l'aimes. Regarde, juste à ma vie. Rien n'a aucun sens maintenant. Mon frère, s'il te plaît, arrête, arrête. Oguna, elle a tellement sacrifié. Elle a tellement sacrifié que je dois la laisser partir. Elle me demande de faire quelque chose. Quelque chose qui... Qu'est-ce que je trouve très difficile à faire. Qui est? Parle-moi, s'il te plaît. Elle, non. Non. Mon frère, s'il te plaît, parle-moi, je suis ta sœur. Grand frère. Désolé. S'il te plaît, laisse-moi être ta confidente. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Blessing, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Blessing, Frank m'a dit que tu lui demandes quelque chose. Il a refusé de me le dire. S'il te plaît, qu'est-ce que c'est? Oguna. Ce n'est pas important. Blessing, ça l'est. Blessing, ça l'est parce que cette chose le dévore. Oui. Oguna. Je peux être franche avec toi. Parle-moi, s'il te plaît. En fait, j'ai dit à Frank que je voulais avoir un enfant avec lui. Mais il a refusé. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Je ne sais pas. Qu'as-tu dit? Je lui ai dit que je voulais un enfant de lui. Attends une minute. Tu as dit à Frank, mon frère, que tu voulais lui donner un enfant. Oui. Et il a dit quoi? Il a refusé. Refusé? Comment peux-tu refuser une telle offre? Comment Frank peut-il rejeter une telle offre? Franchement, ça me dérange. Non, ça ne va pas arriver. Frank va accepter ton offre. Il doit l'accepter. Il l'acceptera. Qu'il le veuille ou non. Oguna. Il va accepter. Non, Oguna. C'est une obligation et il doit l'accepter. Oguna, non. Oguna. 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 C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Frank! Finalement, Blessing m'a dit ce que tu trouvais difficile à me dire. Frank, pourquoi? Non, dis-moi pourquoi. Pourquoi as-tu refusé une telle offre de Blessing? Blessing a proposé de te faire un enfant et tu as dit non. Frank, on m'a doué qui va. Non, dis-moi. Tu veux que notre lignée disparaisse, Frank? Oguna. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne peux pas faire quoi? Oh, Oguna, je...
J'aime tellement Blessing que je ne peux pas la mettre dans une situation de famille alors que je ne sais que je ne serai pas là pour bien prendre soin d'elle. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Grand frère, Frank. Frank, tu sais que tu es mon seul frère survivant. Et je t'aime beaucoup. Oui, je t'aime énormément, Frank. S'il te plaît, tu dois accepter l'offre de Blessing. Tu le dois. S'il te plaît, je ne veux pas que notre lignée disparaisse. S'il te plaît. Et s'il te plaît, arrête de parler de la mort parce que tu ne vas pas mourir. Rien ne t'arrivera. S'il te plaît, tu dois accepter son offre, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, accepte son offre. S'il te plaît. S'il te plaît, accepte son offre. Je t'en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît. Zuba? Kisoba? Kisoba? Oui, qui est-ce? Ah, maman. Bonjour, maman. Bonjour, bienvenue. Ah, ouais. Maman, je m'appelle Polycarpe. Okay. Les amis proches m'appellent le Polycarpe. Le Polycarpe? Ouais. En fait, j'ai apporté ma voiture dans l'atelier de Kisoba, alors je voudrais qu'elle vienne la réparer pour moi. Tu es un fou. Tu es un idiot. Osugwehan. C'est quel genre de bêtise ça? J'ai apporté ma voiture pour que Tizoba la répare. En tant que qui? Tizoba la mécanicienne. Réparatrice de véhicules. Non, attends une minute. Laisse-moi te demander. Combien parmi les enfants de ta mère? Je veux dire, les filles sont des mécaniciennes. Hein? Réponds-moi. Non, ma. Ida, alors oui. Tu es maintenant souris muet? Tu ne peux plus parler? Tu as perdu ta langue? Non, ma. Je te demande, combien parmi les enfants de ta mère sont des mécaniciennes? Les filles? Aucune. Alors pourquoi est-ce que tu veux faire de ma fille une mécanicienne? Hein? Une mécanicienne. De toutes les professions dans cette vie, tu n'as vu aucune de raisonnable? À lui attribuer. Foulcan, je ne t'en veux pas. Tu as dit que c'était encore quoi ton nom déjà? Polycarpe. Le Polycarpe. Iwale Nucheni, ton cerveau est dans ton chapeau. Donc tu ne réfléchis pas bien. Pas étonnant que tes amis t'appellent le Polycarpe. Tu réfléchis. Dégage! Maman. Maman. Mécanicienne, mon œil. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous voulez détruire la vie de ma fille? Maman, de qu'est-ce qu'il y a? Toute cette profession, c'est la mécanique. Quoi? Le tonnerre te foudroiera pour toute ta génération. Polycarpe. Mais collégé. Tizoba. Tizoba. Polycarpe. Polycarpe, je suis désolée. Désolée. Hein? Polycarpe, je suis désolée. Je suis tellement désolée de la façon dont ma mère t'a parlé. Désolée. Elle a un problème avec moi. Elle n'aime pas me voir travailler en tant que mécanicienne. Tu vois? Elle a l'impression que ça empêchera les hommes de venir faire leur demande. Désolée. Donc, le mari, c'est le problème, hein? Dis à ta mère que t'as trouvé un mari. Désolé. Je suis désolé. Est-ce que je t'ai dit que je cherchais un mari? C'est toi qui as un problème avec ton cœur. Mon cœur, je ne sais pas, n'importe où. À chaque fois que je te vois, ça peut être partout, en route, dans la rue. À chaque fois que je te vois, mon cœur ne cesse de battre. Très fort. Je ne comprends pas. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que nous sommes destinés à être ensemble. Nous sommes destinés à être ensemble. Toi et moi. Comment sais-tu ça? Donne-moi juste un peu de temps. Une petite chance de te prouver à quel point je t'aime. S'il te plaît.
C'est étrange. Ton cœur bat si fort. Le tien également. Oui, également le mien. Mon cœur est ton foyer. Ne le quitte pas, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ma mère nous a finalement acceptés. Tu es sérieuse? Oui. Elle n'est pas là, elle est allée au marché. T'es sérieuse? Oui. Elle dit qu'elle t'aime beaucoup, que tu es quelqu'un de bien. Que je vais apprendre beaucoup de choses par toi. Beaucoup de choses par toi. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Moi aussi, je suis heureux. Oh mon Dieu! Laisse-moi tranquille. Oh, je suis tellement content. Moi aussi. Alors finalement. Finalement. Oh. Tu me rends timide. Laisse-moi tranquille. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime encore plus. Regarde celle-ci. T'es dans mon cœur. Hein? Laisse-moi te donner mon cœur, comme ça tu sauras à quel point je t'aime. Chizoba, voici ma ravissante petite sœur. Messoma. Messoma ici présente est ma petite sœur adorée. Elle compte beaucoup pour moi. En fait, c'est ma meilleure amie. Ouais. Elle est pour moi comme ma mère. Hein? Grand frère. Hein, Meso. Messoma. Grand frère. Voici Chizoba. Oui, l'amour de ma vie. Elle est le battement de mon cœur. Elle représente tout pour moi. Elle est la raison pour laquelle je souris. Oui. Si tu dis oui, je vais l'épouser. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez celle-là. T'es jalouse? Maloyée. Vais-je t'épouser? Elle n'est pas jalouse. Sûr que si. Regarde son visage. Hein? Belle sœur, tu es jalouse? Elle n'est pas jalouse. Ok, bien. Meso, je veux que toutes les deux fassiez connaissance. Hein? Soyez comme des meilleurs amis. Ok? Nous sommes déjà amis. Pas vrai? Je t'aime beaucoup. Je sais que tu m'aimes aussi. Moi aussi, je t'aime bien. Omaka. Tu sais quoi? Sois la bienvenue. Je t'invite à la maison demain. Je vais préparer une bonne soupe pour vous deux. J'espère que vous allez venir tous les deux. Oh, tous les deux? Je la traînerai chez toi. Blessing, je suis désolé pour l'autre fois. C'est juste que je trouve ça difficile de faire ce que tu m'as demandé de faire. Je comprends. Je comprends. Je comprends même parfaitement. Écoute. Je crois fortement que tu vas trouver un donneur. Et quand tu trouveras ce donneur, tu feras une chirurgie. Et tout se passera très bien. Je le crois vraiment. Mon amour, ce n'est pas facile de trouver un donneur. Ce n'est pas facile. Crois-moi. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. Aie juste un peu de foi en toi. Je crois que tu vas surmonter ça. Tu vas survivre. Mon amour, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mon amour, tu ne comprends pas. Aucun de mes frères n'a pu survivre. Peut-être c'est mon tour de les rejoindre. Jamais de la vie. Garde. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Bébé, tu ne vas pas mourir. Je suis là avec toi. À chaque étape, tu survivras. Tu vas combattre cette maladie et tu vas survivre. S'il te plaît, bébé. Tu dois juste croire en toi. Aie juste un peu de foi en toi. Je t'en prie. Je crois qu'en un peu de temps, tout ira bien. Je crois vraiment que Dieu crayera un chemin où il ne semble pas en avoir un. Tu ne vas pas mourir. Et je ne te laisserai jamais mourir. Je suis ici avec toi. À chaque étape du processus, bébé. S'il te plaît. Tu sais que je t'aime énormément. Tu le sais. Je t'aime encore plus. Et je crois que tout ira bien. Je le crois vraiment. Merci. Alors, ne désespère pas. Je veux dire, essaye juste... Essaye avec ça, non?
Regarde, utilise d'abord ceci, pour oui, ça. Oui. Tiens. Et si ça ne marche pas? Ça va marcher, pourquoi ça ne marcherait pas? Ce câble a deux parties, l'autre trois. Ah, ah. Vas-y, connecte le câble, non? C'est ça que je vais faire. Lequel? Quelle couleur? Il y a trois couleurs. Le jaune, le vert et le blanc. Ok, mon pote. Hé, j'aime ça, j'aime ça. Couple de l'année. La star. Je suis. Alors, mec, vous allez très bien tous les deux. Ne te l'avais-je pas dit? Ok, je te l'avais dit, non? Tu vois, je peux ressentir la chimie. Il y a de l'amour dans l'air. Ouais, je le vois, Tu ne le vois pas? Comment elle est rose. J'aime ça. C'est comme ça que c'est censé être. Je ne le vois pas. Tu vois, n'est-ce pas? Celle-là. Bonsoir, monsieur John. Elle vous salue. Monsieur John. Monsieur John, je vous salue, non? Agbo. Agbo. Oh, Woody. Ouais. Hé, hey, Dieu, je n'arrive pas à le croire. Tu es content pour ne pas rien. Quel nom à mourir. Bébé. Vas-y, porte-la. Les jaloux n'ont qu'à mourir. Les jaloux vont mourir. Je t'assure. Et les gars, apprêtons-nous. Nous allons sortir. Ouais. Chisoba? Chisoba, mon amour. Comment tu vas? Mon amour. Comment est-ce que tu vas? Où est maman? Maman est passée au marché. Ok. Chisoba. J'irai à Owerri. Où ça? Ouais. Pour faire quoi? Que s'est-il passé? Je vais pour des affaires. Tu es sérieux? Ouais. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai fait un mauvais rêve la nuit dernière. D'accord, parle-moi de ce cauchemar. J'ai rêvé que tu m'avais quitté. Dans ce rêve, tu m'as laissé le cœur brisé. J'espère que tu n'essayes pas de partir et me laisser ici toute seule. Bébé, viens. Viens, donne-moi ta main. Tu sais, je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Moi aussi, je t'aime. Mon cœur, tout comme les eaux de l'océan, ne pourront jamais s'assécher. C'est ainsi que l'amour que j'ai pour toi ne mourra jamais. Je t'aime énormément. Et je continuerai à t'aimer. Ok? Viens là. Chisoba, mon amour. Laisse-moi tranquille. Arrête. Mon cœur, je dois aller à Wery maintenant. J'espère que tu rentres aujourd'hui. Avant le soir. Tu y es sûr? Je ferai ton retour, ok? Vas-y. Mes salutations, maman. D'accord. À toutes. Reviens D'accord, vite. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Ouvre la portière.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Pourquoi tu pleures? Ah! Tisoba. Que lui est-il arrivé, hein? Dis-moi, s'il te plaît. Répète ce que tu as dit. Répète ce que tu viens de dire. Répète-le tout de suite. Chizoba, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y. Masoma. Il n'y a personne. Regarde de l'autre côté. Masoma. Polycap. Mais calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Il est très probable que qu'il soit encore à l'hôpital. Oui. Calme-toi, s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. Calme-toi. Ne fais. C'est pas. Ok. J'essaie de la suivre. Je la laisse pas seule. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Chi, ne t'inflige pas ça, s'il te plaît. Hein? Tu ne l'es pas. Chi, écoute. Non, laisse-moi. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas la fin de ta vie. Je sais que ce n'est pas la fin de ta vie. Hey, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as arraché Polycarpe à ma fille? Laisse-moi. Chi, écoute. Il est mort. Il est mort et enterré. Il n'y a rien. Il n'y a rien que nous puissions faire contre ça. Il ne pourra plus jamais revenir. Hey! Saisis-toi, s'il te plaît. Chi, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je veux mourir. Hein? Mourir? Ah, non, ne meurs pas. Si tu meurs, je vais mourir. Je vais partir avec Polycarpe. Non. Écoute. Hey! S'il te plaît. Hey, que quelqu'un vienne m'aider, s'il vous plaît. Chizoba, s'il te plaît. Que quelqu'un vienne m'aider. Chi, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Chi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Viens. Bon retour parmi nous. Ah, Dieu l'a fait pour ma famille. Hey! Tu es merveilleux. Ah, mon frère. Dieu l'a fait. Tu es enfin à la maison. Ah,
Mon bébé. Merci Dieu. Mon frère est de retour. Dieu soit loué. Dieu a finalement entendu mes prières. Je suis tellement contente. Ce Dieu est merveilleux. Dieu est miséricordieux. Viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens d'abord. Oh. Quoi? Viens. Dis-moi, comment ça s'est passé? Je croyais que c'était si difficile de trouver un donneur. Mon ami, c'était un miracle. Miracle? Moi-même, je ne sais pas comment c'est arrivé. Dieu a fait un travail miraculeux dans la vie de mon frère. Mmh. Oui, je te dis la vérité. J'ai entendu parler de miracles, de miracles. Comment Dieu fait ses miracles et tout le reste, mais j'ai été témoin dans la vie de mon frère. Pour être franche... Dieu est merveilleux. Ma chère, Dieu a envoyé un donneur pour sauver la vie de mon frère. Juste comme ça. Juste comme ça. Est-ce que nous parlons que de ça? Qu'en est-il de la grosse somme d'argent qui était impliquée? Dieu a utilisé la future femme de mon frère pour régler toutes les factures. Ma chère, cette fille est une envoyée de Dieu. Elle est une bénédiction pour cette famille et elle est une bénédiction dans la vie de mon frère. Dieu continuera de la bénir où qu'elle se trouve. Elle aura toujours du bonheur. Donc, elle a cette somme d'argent? Et d'où vient-elle? Elle est de l'état des Boyis. L'état des Boyis? Hey! L'état des Boyis. L'état des Boyis. Attends, laisse-moi aller faire quelque chose à manger à mon frère. L'état des Boyis. Et Boyis. Hey! Hey! Chizoba, voici ma ravissante petite sœur, Mesoma. Mesoma est présente, ma ravissante petite sœur. Elle compte beaucoup pour moi. Et pour tout te dire, c'est ma meilleure amie. Ouais, elle est comme ma mère. Grand frère. Mesoma. Grand frère. Chizoba. Ouais, l'amour de ma vie. Elle est le battement de mon cœur. Elle représente tout pour moi. Elle est la raison pour laquelle je souris. Oui. Si elle dit oui, je vais l'épouser. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez celle-là. T'es jalouse? Maloye. Vais-je t'épouser? Elle n'est pas jalouse. Regarde son visage. Belle sœur, t'es jalouse? Tu vois, elle n'est pas jalouse. Ok, bien. Meso. Je voudrais que vous fassiez connaissance. Hein? Que vous soyez comme des sœurs. D'accord? Moi aussi, je t'aime bien. Oh, ma God. Tu sais quoi? Sois la bienvenue. Viens à la maison demain, je t'invite. Je vais faire une bonne soupe pour toi. Ouais. J'espère que vous viendrez tous les deux. Oh, tous les deux? Je la traînerai chez toi. Chi? Chi, ma fille, la nourriture est prête. Chi, chérie? Ma fille? J'ai fini de préparer ta nourriture. Viens manger. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Hey, Chi, mais pourquoi? Eh? Pourquoi est-ce que tu n'as pas faim? Eh? Tu veux mourir de faim? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Eh? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pitié de ta mère? Hein? Tu sais que... à chaque fois que tu es heureuse, je suis heureuse. Tous ces sourires que j'avais l'habitude de voir sur ton visage sont partis. Et ça me tue à petit feu, ça me tue. Je t'ai dit à plusieurs reprises d'aller de l'avant. De quelle manière? De quelle manière est-ce que tu veux que je t'explique ceci? De quelle manière, ma fille? Comment? Hein?
Tu veux me tuer avant mon temps? C'est ce que tu planifies? Tu veux me tuer avant mon temps? Hein? Écoute. Polycarpe est parti. Il est parti. Il est parti et il est parti. Hein? Et il n'y a rien que tu puisses faire contre cela. Sois juste. Je suis ta mère. Je ne vais pas te décevoir. Ok, très bien. Je... Tu sais, je... Je n'ai jamais vraiment soutenu cette histoire de... Oh... Non, pardon, oh. Arrête. Arrête. Je n'ai jamais vraiment soutenu cette histoire de... mécanique que tu voulais faire. Mais... Si c'est... Si c'est la seule chose qui puisse te redonner le sourire, s'il te plaît, va, retourne là-bas. Hein? Retourne simplement là-bas. Comme ça... Je pourrais de nouveau voir un sourire sur ce visage. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? S'il te plaît, t'en prie, je t'en prie. Je ne peux pas. Je t'en prie, maman. Je ne peux pas. Je veux juste te voir heureuse, hein? Ton bonheur, c'est mon bonheur. Nguano, Bikonono, oh. S'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Bébé. Il veut te remercier pour tout. Pour ton soutien. Pour ton attention. D'avoir été là pour moi. D'avoir été là quand j'avais le plus besoin de toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Dans ma vie. Merci. Merci pour tout. Bébé. Bébé. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime vraiment plus que ma vie elle-même. Tu es tout pour moi, bébé. Je ne sais pas où je serais sans toi. Alors, je suis tellement reconnaissante que tu... Je suis tellement reconnaissante que tu... Nous avons surmonté ça ensemble. Que tu te portes bien. Et nous avons surmonté ça ensemble. Nous voilà sommes ici, plus grande joie, bébé. Heureux ensemble. Je te promets que je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça, ma plus grande joie, bébé. Et je te promets que je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ne doute pas de moi. Tu le sais, bébé. Je te le promets, bébé. Tu le sais. Mon amour. J'ai hâte de vieillir avec toi. J'ai tellement hâte que tu donnes naissance. J'ai hâte que nous ayons une belle fille. Comme ça, elle sera comme toi. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Je t'aime. Mon amour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Il y a quelqu'un? Ah, chie ma puce. Ah, je crie parce que je ne sais pas ce que tu fais à l'intérieur. Non. Alors, comment tu vas? Ouais. J'ai une info pour toi. Une bonne nouvelle. Devine seulement. Vas-y, essaye juste de deviner quelque chose. Ouais, devine juste, vas-y. Pourquoi est-ce que parfois tu aimes trop te moquer des gens? Pourquoi? Alors que je n'ai pas d'argent? Monsieur John,
voudrait que tu reviennes au garage. En fait, c'est lui qui m'a envoyé t'appeler et il m'a dit que tu devais me suivre immédiatement. Ah. Comme ça, tu crois que j'ai laissé la télé vide et que j'ai couru de là-bas jusqu'ici seulement pour te raconter des mensonges? Je suis en train de te dire qu'il a demandé que tu me suives et que nous allions au garage tout de suite. Écoute, laisse-moi te dire, hein. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, hein, son cœur est attendri. Son cœur est attendri et je suis en train de te dire qu'il a demandé que tu me suives tout de suite. Ah ah, tu me connais très bien, alors tu crois que je suis capable de plaisanter avec ça? Ou alors t'es contente, hein? Allez, ferme la porte et allons à la télé, hein? Allons-y. Il a dit qu'il veut te voir maintenant. Allez, ferme la porte, on y va. Bonjour, Franklin. Comment tu vas? Je vais bien. Assieds-toi. Je m'attendais vraiment pas à te voir. Je sais. Franck, j'ai fait cette nourriture spécialement pour toi. Hein? Vas-y, prends-la. Tu as fait cette nourriture pour moi? Tu as fait cette nourriture pour moi? Oui. Je me suis donné à fond pour te préparer cette nourriture. Je l'ai faite spécialement pour toi. Ça a l'air délicieux. Oui, et tu peux sentir l'arôme. Oui, tu peux le sentir. Ifi, merci, que Dieu te bénisse. Merci. Pas de quoi. Franck. Franck, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est un Dieu miséricordieux. Est-ce que tu sais que tu es en vie aujourd'hui grâce à mes prières? Oui, bien sûr. Je peux t'assurer que j'ai fait beaucoup de jeûnes et de prières. Quoi? Parce que j'ai traité mes genoux hier soir, sinon t'allais le constater. Je me roulais. Me mettre à genoux dans toutes les églises pour prier pour toi. Fille. Je suis même allée à la montagne. Tu veux dire que tu priais pour moi? Oui, je l'ai fait. J'ai fait tout ça pour toi. Je ne le savais pas. Merci. J'ai prié. J'ai jeûné pendant 30 jours et 30 nuits. Fantastique. Je ferai n'importe quoi pour toi. Oui, n'importe quoi. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. Cette bouche que tu vois n'a pas pu goûter une seule goutte d'eau pendant 30 jours. Bébé? Bébé? Bébé, viens t'asseoir. Bébé, voici Ifi, ma camarade de classe au secondaire. Ifi, voici mon seul et unique amour. Salut. Bébé, Ifi nous a porté à manger. Je vais voir Ogona. Elle est tellement belle. Elle est très belle. Ouais. Bébé, est-ce que tu peux croire qu'elle priait pour moi? Tu es sérieux? Oui. Elle a dit qu'elle a prié et jeûné pendant 30 jours. Dieu merci. Dieu merci. Bravo, chérie. Merci. Alors, qu'est-ce que tu faisais derrière? J'étais juste en train de... Ifi. Ifoma. Qu'y a-t-il? Rien. Je vais bien. Tu vas bien avec cette mine? Attends. Ne me dis pas que tu es jalouse de Blessing. Parce que c'est le même Frank que tu as rejeté quand il était malade. Et maintenant, Dieu l'a guéri. Il est désormais libre de cette maladie. Cette maladie ne reviendra plus. T'es sûre que la maladie est partie pour toujours? Oui. Ça ne reviendra plus? Ça ne reviendra plus jamais. Pour qu'il ait traversé cette étape, ça ne reviendra plus jamais. Oh, Gona. J'ai raté. Mais, Ogona, tu peux encore m'aider. Ok, t'aider à faire quoi? Aide-moi à parler à ton frère pour qu'il m'accepte. Tu sais qu'il voulait m'épouser. Le tonnerre va frapper cette petite bouche. Que je supplie mon frère pour qu'il t'accepte? Hein? Alors, que va-t-il arriver à Blessing? Mais, Ogona, la femme qui est restée à ses côtés quand il mourait. Elle était là pour mon frère. Elle a lavé. Elle a tout fait. Elle a payé les frais d'hôpital. Maintenant, tu veux que je parle à mon frère pour qu'il t'accepte? Alors, que va-t-il lui arriver? Mais, Ogona, nous sommes amis. À quoi servent les amis? Ami, mon œil. Que le tonnerre frappe ta bouche, idiote. Tant que tu étais mon ami, et Ogona, tu as abandonné mon frère quand il avait le plus besoin de toi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
Chizuba. Oui. Polycap. Tu es en vie. Bien sûr. Tu es encore en vie. Bien sûr que je suis en vie. Où étais-tu? Les gens disent partout que tu es mort. Pourquoi est-ce que tu crois rien à ce que les gens disent? Oui, j'ai fait un long voyage. Mais mon cœur est encore avec toi. Je t'ai dit que je rentrerai. Tu es en vie. Ouais. Polycap, tu es en vie. Je suis en vie. Je croyais que tu... Je croyais que tu étais parti pour toujours. Comment est-ce que je pourrais te laisser? Je t'ai dit que j'allais rentrer. Je sais. Tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Et je t'ai dit que je te quitterai jamais. Je sais. Ok. Je t'aimerai toujours. Et je serai toujours là pour toi, ok? Moi aussi, je suis là pour toi. Viens là. Je t'aime aussi. Ouais, c'est ça. Dis-moi juste. Mais c'est cette chose. Ifi, ça fait 2 jours que tu ne m'as pas rendu visite. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de mon frère? À cause de ton frère? Non. Moi, je suis passée à autre chose. Mon amour. J'ai une surprise pour toi. Une quelle surprise? Une très belle surprise. Vraiment? Oui. D'accord. Bon, je ne vais pas te demander de fermer les yeux, ok? Ok. Ça sera un jeu, mais si tu choisis le bon côté, alors tu vas gagner. Je suis partante. Ok. Choisis. J'ai trouvé, pas vrai? Ok. Ok. Oh mon Dieu! C'est réel. Es-tu sûr que tu veux? Oh mon Dieu! Oh mon bébé! Veux-tu m'épouser? Attends, c'est pour c'est de vrai. Une blague? Es-tu sûr que tu veux? Es-tu sûr que tu... S'il te plaît, épouse-moi. Épouse-moi et fais de moi un homme complet. Bébé. Je... Oh. Oui. Oh mon Dieu. Je suis là. Franck, je suis tellement contente pour merci. Toi. Merci beaucoup. Je suis tellement contente merci. Pour toi, Franck. Notre femme. Bébé. Enfin. Regarde ma bague. C'est beau. C'est joli. Merci. Effie, viens
Tiens, non, viens. Regarde ma bague. Regarde ma bague. C'est vraiment génial. Oh, notre femme. Je suis tellement contente. Bébé. Frère, grand frère, tu viens d'embellir ma journée. Chizoba, comment t'as pu croire que je suis mort? Comment peux-tu croire que je suis mort? Me voici en chair et en os. Le fait de déménager ne veut pas dire que je sois mort. Maintenant, suis-moi. Je vais te montrer où je vis. On dirait que je la connais depuis des années. Son visage m'a l'air si familier. Polycap.
Polycap. Polycap. Regarde-le très bien, il n'est pas Polycap. C'est mon frère Franklin. Polycarpe? Penses-tu tu penses encore à cette jeune dame? J'ai le sentiment de l'avoir déjà rencontré. Quelque chose en moi me dit que j'ai déjà rencontré cette fille. Mon esprit, mon corps et mon âme. J'ai un lien avec elle. S'il te plaît, tu devrais te calmer et penser. Même cette dame ne sait pas qui elle est. Elle est confuse. Donc je ne pense pas que tu l'aies déjà rencontrée. Regarde comment elle t'a appelée. Polycarpe. Alors que nous savons que tu n'es pas Polycarpe. Alors s'il te plaît, bébé, détends-toi, ok? Pense-y. Okay. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Non, bébé. Est-ce que tu es sûre que j'ai perdu la mémoire? Je ne le pense pas, bébé. Pense-y juste, ok? Ok. Chizoba, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Maman. Chi? Hein? Maman Polycap est toujours en vie. Hey. Il n'est pas mort. Chizoba. Non, je sais de quoi je parle. Il n'est pas mort. Je l'ai vu aujourd'hui. Chizoba, tu ne peux pas dire ça. Non, maman, je peux sentir sa présence. Chizoba, tu es en train de perdre la tête. Hey, tout le monde, les gens, venez voir ma fille. Maman, je l'ai vu. J'ai senti sa présence aujourd'hui. Chizoba. Il est partout. Chizoba, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui parles. Non. Que quelqu'un vienne m'aider. Ma fille est en train de perdre la tête. Non. Chizoba, il est mort et enterré. Chizoba, non, arrête ça.
je pense encore à cette dame. À cette demoiselle. Oui. J'ai l'impression de l'avoir connue pendant des années. Mais je ne sais pas où. Cela me dérange beaucoup. N'y pense pas trop. J'ai l'impression qu'il y a encore une partie de moi qui est perdue. Chizoba. Chi. Est-ce que tu vas bien? Chi, tu as l'air si inquiète et tendue. C'est quoi le problème? Chi. Mais Soma, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que Polycarpe est toujours en vie.
Je ne suis pas sûre qu'il est mort. Je ne suis pas sûre qu'on ait enterré la bonne personne. Je peux le ressentir partout sur moi. Je peux ressentir sa présence. Je suis sûre qu'on n'a pas enterré la bonne personne. Il est encore en vie. Polycap est encore en vie. Il n'est pas mort. Chi. C'est bon. Polycarpe est parti. Et il n'y a rien que personne ne puisse faire à propos de cela. Il est mon frère. Et ça fait très mal. Mais je ne peux rien faire. S'il te plaît, détends-toi. Mais Soma, tu es sûre? Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Est-ce que tu es sûre qu'on a enterré la bonne personne? Je ne suis pas très sûre. Chi, ça va aller. Non, je ne suis pas sûre. Où est Franklin? Franklin est sorti depuis deux heures maintenant. Et je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas où il est allé. Blessing, comment as-tu pu faire un truc pareil? Pourquoi l'as-tu laissé sortir tout seul, sachant qu'il est encore en convalescence? Mais qu'aurais-je pu faire? Tu n'aurais pas dû le laisser. Tu aurais dû l'arrêter. Où allons-nous le chercher maintenant? Je ne sais pas. Nous devons aller à sa recherche, s'il te plaît. Mon Dieu. Nous l'avons cherché partout. Nous ne l'avons pas trouvé. Où est-ce qu'il peut être? Mais c'est quoi tout ça? Nous devons essayer son numéro, l'appeler par téléphone. Franchement. Blessing, pour être honnête, tu as commis une grosse erreur. Tu n'aurais pas dû le laisser sortir. Tu n'aurais pas dû. Ogona, comment? Comment aurais-je pu l'arrêter? Tu aurais dû le retenir. Comment? Maintenant, où est-il allé? Nous ne pouvons même pas le retrouver. Le voilà. Bébé, mais où étais-tu? Nous t'avons cherché partout, mais nous ne l'avons pas trouvé. Je vais me balader.
Chizoba? Qu'est-ce qu'il y a? Chizoba? Here. Comment vas-tu? Je veux te demander une chose. Juste une faveur. S'il te plaît, ne sors plus jamais d'ici tout seul. S'il te plaît, ne le fais plus jamais. En fait, tu sais que tu es encore en convalescence. Tu as besoin que quelqu'un soit avec toi. Tu ne peux juste pas sortir tout seul. Et si quelque chose t'arrive, et si tu t'évanouis ou autre chose? S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis ici pour toi. Blessing est là pour toi. Donc si tu veux sortir, tu peux le faire avec l'une d'entre nous. Tu sais que tu es mon seul frère. Et je t'aime beaucoup. S'il te plaît, fais-le pour moi. Ne sors pas tout seul. Merci. Alors, pourquoi n'as-tu pas mangé? Je suis inquiet. Inquiet? Qui est-il? Tu ne peux pas comprendre. Mais je crois que si tu me le dis, je comprendrai. Je comprendrai si tu me le dis. Alors, qui a-t-il? Parle-moi. Ogona. Je vais arriver là-bas avant toi. Reviens ici. Devant toi. Oh non, non, non. Laisse-moi m'asseoir. Bébé. Oui, bébé. Ah, je suis tellement heureuse. C'est par là. Ok. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Moi aussi, je t'aime.
Qui es-tu? J'ai l'impression de t'avoir connu pendant des années. Est-ce que tu es de ce village? Blessing. 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 Qu'y a-t-il? Elle est encore revenue. Qui? La fille étrange. La fille étrange? Tu veux dire qu'elle est encore venue? Elle était ici la dernière fois parce qu'elle s'est évanouie. Et mon frère l'a amenée à la maison. C'est exactement ce que je veux dire. C'est tout à fait ce que je dis. Ton frère prétend ne pas la connaître. Mais quelque chose en moi me dit que ton frère la connaissait pendant tout ce temps. Ils ont besoin l'un de l'autre. Blessing, je connais toutes les filles avec lesquelles mon frère est sorti dans ce village. Cette fille n'est pas l'une d'elles. Je ne la connais même pas. Elle ne fait pas partie d'elle. Ou peut-être elle essaye de faire la maligne avec mon frère. Elle est jouée. Elle ne réussira jamais. Ogona. Ça va aller. Ogona. Tu sais que j'aime vraiment beaucoup ton frère. Je ne veux pas le perdre. Nous venons nous avons de traversé très loin. Beaucoup de choses. Je ne veux pas le perdre, je le sais. Tu sais à quel point je l'aime. Oui. Oh, Mowani, qui a parlé de perdre quelqu'un ici? Tu ne peux pas perdre Franck, pas tant que je suis encore en vie. Ne te dérange pas, d'accord? Tu ne vas pas perdre Franck, arrête. Détends-toi, ma chérie. Ok. J'ai très honte de moi. Pourquoi? Ok, il y a à peine un mois que Polycap est mort. J'ai des sentiments pour un autre homme. Tout à propos de cette personne me rappelle Polycarpe. Mais est-ce que tu vois encore Polycarpe dans tes rêves? Non, pas du tout. Voilà mon point, voilà mon problème. Je ne le vois plus dans mes rêves. Je crois que Polycarpe est en colère contre moi. Non, ne parle pas comme ça. Écoute, je suis même content que tu es sur le point de passer à autre chose. C'est vrai? Bien sûr, je suis content. Écoute, en fait, la réalité est que Polycarpe est décédé et est parti pour de bon. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut le ramener à la vie. Une fois encore. Et tu es une femme, tu dois passer à autre chose dans ta vie. Tu comprends? Et le Polycarpe que je connais, mon ami, où qu'il soit, il sera fier de toi. Vraiment, tu es sûr? Je suis sûr, va de l'avant dans ta vie. Ok, tu dois voir cette personne de qui je parle. Il ressemble beaucoup à Polycarpe. Tout à propos de lui me rappelle Polycarpe. Absolument tout. Je ne sais pas. Je suis confuse. Attends, Shizuba, je comprends ce que tu ressens. Mais si tu aimes vraiment cette personne, et si tu es vraiment heureuse avec elle, alors passe à autre chose dans ta vie. Tu es une femme. Tu es une femme et tu ne rajeunis pas. Alors va de l'avant dans ta vie. Hmm?
Blessing. Est-ce que tu vas bien? Tu n'as pas l'air heureuse. Bébé. Écoute. Quelque chose en moi me dit que tu me caches quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Non, bébé. Tu sais pertinemment que je ne te cache rien. De quoi est-ce que tu parles? Bébé. Regarde. Je ne voudrais pas que nos années de sacrifice soient en vain. Bébé, pourquoi parles-tu de cette façon? C'est à propos de cette fille étrange. C'est que je ne suis pas à l'aise en l'envoyant dans les alentours. Et quelque chose en moi me dit que tu me caches quelque chose. Bébé, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ok? Sache juste que je ne te cache rien. Crois-moi. Écoute-moi, bébé. Personne. Je veux dire, personne ne prendra ta place dans ma vie. Je t'aime et c'est ce qui compte pour moi. Tu en es sûr? Viens là. Tu es vraiment sûr de ça? J'en suis sûr, bébé. Je t'aime. Maman, tu vas bien? Oui, oui. Laisse-moi t'aider. Merci. Merci beaucoup. C'est rien, maman. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est rien, maman. S'il te plaît, quel chemin mène chez toi? Je vais tout droit. Ok. Merci beaucoup. Merci, maman. Chai, Ezubongma. Tu me rappelles beaucoup Polycarpe. Que son âme repose en paix. Il nous a quittés trop vite. Un garçon avec un bon cœur. Merci, oh. C'est vrai, maman. Merci de m'aider. C'est vrai, maman. Doucement, doucement, doucement. Doucement, s'il te plaît. Doucement. Merci. Laisse-moi le prendre. Que Dieu te bénisse, oh. Zubongma. Hey, Chizoba. Il m'a vu quand je rentrais et c'est une très bonne personne. Il a décidé de m'aider à porter mes affaires, vu que c'était trop lourd pour moi. Chi, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Jeune homme? Ah. Est-ce que tu as déjà rencontré ma fille? Tu la connais? Comment tu as su que c'était ma mère? Je ne savais pas qu'elle était ta mère. Je n'ai que proposé de l'aider. Peut-être qu'il y a quelque chose que je suis sur le point de découvrir. Tu es trop proche de mon cœur. Depuis que je t'ai rencontré,
Je ne veux plus rien avoir à faire avec ma fiancée. Je t'aime vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu me rappelles beaucoup. Mon défunt petit ami Polycarpe. Mais ma mère l'a dit. Oui. Mais... bien que je t'aime, je ne veux pas causer d'ennui dans ta relation. Je ne veux pas causer d'ennui, je sais que tu es avec quelqu'un. Shizuba. Je me sens tellement confortable avec toi. À chaque fois que nous sommes ensemble, les battements de mon corps augmentent. Le mien également. En ce moment que nous parlons, mon cœur bat fort pour toi. Tu peux le ressentir. Je peux aussi ressentir le tien. Ton cœur bat si fort. On dirait que nous sommes connectés. Je ne sais pas comment. Comment vas-tu, bébé? Je vais bien. Eh bien. Bébé, je veux qu'on rentre en ville. Oui. Ça fait maintenant un bon moment que tu es rétabli. Et nous avons énormément de choses à refaire en ville. Alors il est temps pour nous de rentrer. Rentrons en ville. Bébé. Je ne crois pas qu'il est temps pour moi de rentrer en ville. Je veux dire, il y a beaucoup à faire ici. Au village. Je ne comprends pas. Non, ce que je veux dire, c'est que il faut un peu de temps. Puis nous retournerons en ville. Juste ça. Le temps? Oui. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends pas. De quel temps parles-tu? Et de quelle affaire parles-tu? Quel genre d'affaire nous pouvons nous pas faire en ville? Bébé, calme-toi. Non, ne me dis surtout pas de me calmer. Tu as vraiment changé. Bébé, tu hurles. Oui, je vais hurler. Je le ferai. Est-ce que c'est de cette façon que tu vas me payer pour tout ce que nous avons traversé ensemble? Est-ce que tu essaies de me dire que cette bague est un camouflage? Tasse de café? Hein? Je sais pourquoi tu as changé. Et je sais pourquoi tu te comportes de la sorte. Je le sais. C'est à cause de cette fille étrange. Elle t'a volé à moi. Elle a volé ton cœur. C'est pour ça que tu te comportes de la sorte. Tu veux m'abandonner pour elle. Je te déteste. Blessing. Ogona. J'en ai marre de toutes ces choses. Je suis fatiguée. Je vais quitter Franck. Et je ne reviendrai jamais. Je m'en vais aujourd'hui. Blessing, tu dois te calmer. Juste calme-toi et écoute-moi. Ok? Tu n'iras nulle part. Je ne te laisserai pas quitter cet endroit. Blessing, tu dois rester et te battre pour ton amour. Mon frère est sous une emprise. Oui, je le sais. Tu dois rester pour que nous découvrons la vérité sur tout ça. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas souffrir pour qu'une autre femme vienne récolter le fruit de tes efforts. Comment est-ce que je vais me battre? Mais l'emprise n'était pas sur lui. Quand il était malade. Quand il était malade. Il n'y avait pas d'emprise sur lui. Ogona, j'étais là pour lui. Je sais. J'ai laissé mon travail juste pour être avec lui. Je connais tout ça. Je suis au courant de tout. Et maintenant, il m'abandonne. Ton frère est vraiment méchant et son cœur. Il n'a pas de cœur. Blessing, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Je m'en vais. Tu n'iras pas. Je m'en vais et personne ne m'arrêtera. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu dois rester et te battre pour ce que Ogona vient de croire. Je suis restée à ses côtés. Tu sais. Quand il était malade. Tiens, j'étais là. Désolée. Désolée, hein. Je
Je suis vraiment désolée. Ne me parle pas de cette façon. Non, ne me dis pas ça. Tu n'as aucun droit de me parler de cette façon. Franck, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te traverse la tête? Pourquoi veux-tu payer Blessing par le mal avec tout le bien qu'elle t'a fait? Oui, elle était là pour toi quand tu étais malade, quand il n'y avait personne d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si sans cœur? Ogona. Tu n'es pas le frère que je connais. Ogona. La façon dont Blessing pense ces choses me rend vraiment fou. Sa façon d'être jalouse de cette fille me rend dingue. Et ça m'attire encore plus vers cette fille. Et d'après ce que je vois, je crois que je tombe déjà amoureux de cette fille. Hein? Hey, hey! Yeah! Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, oh! Sorcellerie. Elle t'a ensorcelé. Ça ne marchera pas. Pas quand je suis encore en vie. Ça ne marchera jamais. Tu vois ce charme? Ce charme qu'elle t'a lancé? Je vais me rassurer de nettoyer cela de tes yeux. Attends, Ogona. Est-ce que tu te rends compte que tu me parles de la sorte? Tu ferais mieux d'y repenser. Ogona! Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance? Je veux dire, donne-moi une chance. J'ai recueilli des informations à propos de cette fille avec qui Franck sort. Elle s'appelle Shizuba. Et elle n'est même pas de ce village. Elle est du village voisin, Omudike. Ah. Et j'ai appris que tout homme qui l'approche finit par mourir. Il n'atteint même pas 6 mois. Vraiment? Elle a ce pouvoir. Elle attire les hommes vers elle. Cette fille, c'est une sorcière. Oh mon Dieu! Et... Je l'ai bien dit. Je crois que Franck est tombé dans son piège. Je n'ai pas dit que Franck allait mourir, oh. Je vous dis juste de... vite agir. Avant que ça ne devienne incontrôlable. Hey! Hey! Je l'ai bien dit. J'ai dit que cette fille est une sorcière. Oh, cette histoire m'étonne vraiment beaucoup. Pas je continue de m'étonner. Mais mon instinct ne me trompe jamais. Je continue d'avoir ce sentiment qu'il y a quelque chose à propos de cette fille que nous ne pouvons pas déchiffrer. Dès le premier jour où j'ai posé mes yeux sur cette fille, j'ai ressenti quelque chose envers elle. Cette fille est une sorcière. Ne dis pas après que je t'ai pas prévenu à temps. C'est très grave. Tu sais que je suis une très bonne amie. Et je ne veux pas que ton frère meure. C'est elle qui mourra cette fois-ci. Sa tête tombera pas mal que moi, mon Franck. Que Dieu m'en préserve. Rien du tout. Es-tu sérieuse? Je suis sérieuse. Je l'ai bien dit. Ouais. Dieu merci, tu es de retour. Franck, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu creuses ta propre tombe? Toi-même. Non, dis-moi, pourquoi cours-tu après cette sorcière appelée Tizoba?
Frank, je suis en train de te parler. Dieu t'a donné une deuxième chance de vivre. Pourquoi veux-tu te tuer? Frank. Frank, tu t'es complètement rétabli. Je veux que tu retournes en ville avec Blessing et que vous recommenciez votre vie et vous passiez à autre chose. S'il te plaît. Je te parle et tu me tournes le dos, Frank. Frank, tu dois... Frank! Polycarpe. Polycarpe. Pourquoi? Pourquoi es-tu placé ici, en tournant le dos à la cour? Je veux que tu ailles demander des excuses à Franklin. Je suis Franklin. Et Franklin, c'est moi. Désolée, je ne comprends pas. Ce que tu dis n'a pas de sens. Que tu es Franklin. Et Franklin, c'est toi. Polycarpe, je ne comprends pas. Je vis en Franklin, et Franklin vit en moi. Le seul moyen par lequel je pourrais avoir la paix, c'est quand je te verrai avec Franklin. Polycarpe, est-ce que tu... Écoute. Ok. Essaye de me comprendre. Polycarpe. 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 Poly... Poly... Ogini. Chi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a effrayé? Mon rêve. Hey. Je l'ai vu. Hey. Chizoba. Je l'ai encore vu. J'ai vu Polycarpe. Il était juste là. Et tournait le dos à la cour. Maman. Chizoba. Chizoba. C'était juste un rêve. Non. Chizoba, c'était un rêve. Non, maman, ce n'est pas qu'un rêve. Il a dit que je dois réconcilier avec Franklin. Franklin? Et qui est Franklin? Le jeune homme à qui j'ai demandé de partir. Ok. Et, il a dit que... Je ne sais pas. Il a dit que Franklin vivait dans lui. Et qu'il vivait aussi dans Franklin. Comment? Comment cela est-il possible? Je ne sais pas. Hey. Et que... Il a dit que... Que son âme peut reposer... Seulement si je suis avec Franklin. Chizoba. Chizoba. Maman. Écoute-toi parler. Tout ceci n'est qu'un rêve. Tout ce que tu viens de raconter, ce n'est qu'un rêve. Comment est-ce que ça peut être possible? Hein? Est-ce que tu peux t'entendre parler? Non, maman, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve. Chimwam. Écoute-moi. Je suis ta mère. Je ne peux pas te mentir. Très bien. Franklin, ou peu importe comment tu l'appelles, est un bon garçon. Oui, il me rappelle beaucoup Polycarpe. Son comportement et tout. Mais il n'est pas Polycarpe. Polycarpe est une personne différente. Il est mort et enterré. Mets-toi ça dans la tête. Et ça t'aidera. S'il te plaît. Maman, je suis perdue. Ne le sois pas. C'est une chose simple. Il est mort et enterré. Je ne sais pas si je perds la tête. Non, non, s'il te plaît, ma fille. Ne le sois pas. S'il te plaît, je suis là pour toi, oh. Hey, Chinekemo.
Hey, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens m'en aide. Biko, Biko, Biko. Sorcière! Sorcière! Où est cette fille? Sors ici! Sorcière, sors! Sors, j'ai dit de sortir! Madame! Bonsoir. Garde tes salutations pour toi. Je suis venue t'avertir de rester loin de mon frère. Oui, parce que tu es une sorcière. Pas seulement une sorcière, mais une briseuse de foyer. Tu crois qu'on n'a pas entendu? Donc tu crois qu'on n'a pas entendu comment tu passes le temps à tuer les jeunes hommes qui viennent vers toi? Ça ne marchera pas dans la vie de mon frère. Ça ne marchera jamais parce que quoi que tu aies prévu contre mon frère se retournera contre toi, ta génération, ta famille. Idiote, regarde, laisse-moi te dire. Tu vois Blessing ici? C'est la future femme de mon frère. Oh, Sogono. Oh, Sogono, future quoi? Tu es malade? Tu es malade? Commandant en chef des forces armées, tu viens chez quelqu'un et tu as le culot de décider de ce qui va se passer? Tu es malade? Laquelle de... Foutez le camp! Élevez-la bien! Dégagez! Comment est-ce qu'elle peut sortir avec? N'importe quoi! Idiote! Que Dieu vous maudisse! Regardez-moi ça! N'importe quoi! Si vous voulez vous battre, venez! Venez! Quand je suis encore en vie! N'importe quoi! Que je vous revois encore ici! Idiote. C'est bon, c'est bon. Hmm? Elles ne reviendront plus. Elles sont parties. Hmm? Elles sont parties. Elles ne reviendront plus. Elles ne reviendront plus. C'est bon. C'est bon. Hmm? Allons à l'intérieur. Chi? Omalija Mwam. Chi Mwamo. Ne te comporte pas comme ça. Eh? Ne fais pas ça. Écoute, je suis là pour toi. N'importe quand, n'importe quel jour. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Hein? Toi encore, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez tuer ma fille? Hein? Dis-moi. Tu es là, rien, maman. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? S'il te plaît, laisse ma fille tranquille. Hein? C'est quoi tout ça? Vous ne pouvez pas laisser ma fille vivre en paix? Reste loin de ma fille. Est-ce que c'est si difficile? Hein? L'autre jour, ta sœur était ici. Avertissant, aboyant, criant. Voleuse de copains, voleuse de copains. Regardez-moi qui en vole. Ma sœur était ici? Oui. Elle a dit que ma fille devait rester loin de toi. Toi aussi, reste loin de ma fille. Fais la même chose. Maman, vas-y doucement. Je ne le ferai pas. Que je prenne quoi doucement? Allez. Commence à partir. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en, va-t'en. J'ai dit va-t'en, va-t'en. Tu es venue attirer les problèmes sur ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, ça va. Ce n'est pas bon. Rien n'est bon là. Il vient ici pour t'attirer des ennuis. Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Ogona! Ogona! Où est-elle? Ogona! 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 Qu'y a-t-il, Franck? Ogona! Oui. Pourquoi es-tu allé chez Isoba pour l'avertir? Pourquoi? Pourquoi? T'es-tu que je n'étais pas assez un homme pour prendre mes propres décisions? Que ce soit clair pour toi, je comprends que Blessing était très gentil avec moi. Mais j'essaie tellement dur d'être également gentil avec elle. Mais mon cœur me dit une autre chose. Laisse-moi t'avertir pour la dernière fois. La prochaine fois que tu essaieras un truc pareil, je te prouverai que je suis ton frère aîné et je te mettrai à ta place. Est-ce que tu me comprends? Je vais me tuer. Non, ne me dis pas ça. Non, s'il te plaît, bébé. Blessing, s'il te plaît. Non, bébé, s'il te plaît. Ne me dis pas ça. Blessing, je t'en prie. Dépose le couteau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu disais? Bébé, je ne fais rien. J'étais juste en colère. Comment elle est allée là-bas me mettre à honte? Je suis désolé. S'il te plaît, dépose le couteau, s'il te plaît.
Tu fais tout ton possible pour te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Non, non, bébé, non, je t'aime. Bébé, je t'aime. Tu t'aimes. Non, non. Bébé, je t'aime. J'ai tant sacrifié pour toi. Si quelque chose t'arrive, tu sais que je t'aime. Non. Je ne peux pas vivre sans toi. Je vais me tuer. Non, ne me dis pas ça. Non, ne me dis pas ça. Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour toi. Crois-moi, je suis désolé pour toi. Au plus profond de mon cœur, je t'aime encore. Je t'apprécie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive. Je ne sais pas pourquoi mon cœur me dit une autre chose. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais je te promets que je vais le combattre. Je vais le combattre et ça va s'arrêter. Je ne vais plus te blesser. Je ne vais plus blesser ce que nous avons partagé. Bébé, je ne vais plus repartir chez cette fille. Je vais combattre, quels que soient les sentiments que je ressens pour cette fille. Je ne sais même pas pourquoi ça arrive, mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est que toi et personne d'autre. Je t'aime. Je suis désolé. Allez, viens. Allons-y. Viens, allons-y. 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 Allons-y tout de suite. Ogona. À vrai cette dire, fille cette fille est une sorcière. C'est une sorcière. Cette fille qu'on appelle Chizoma, c'est une sorcière. Ok. Je l'avais bien dit. Ça n'est pas étonnant qu'elle se comporte aussi bizarrement. Sais-tu ce qui s'est passé aujourd'hui? Franck et moi, nous nous baladions dans la rue lorsque nous l'avons rencontrée. Et dès que Franck a vu cette fille, absolument tout sur Franck a changé. Franck a fait un pas pour aller la rencontrer. Dès que je l'ai constaté, j'ai attrapé Franck et je l'ai fait sortir de là. Et c'est à ce moment que Franck a constaté. Il est revenu à la raison. On aurait dit qu'il était en transe. J'ai dû prendre mon homme par force parce que le violon l'a emporté par force. Voilà ce qui s'est passé. Ah, je ne veux plus perdre Franco. Jamais. Jamais. Blessing, tu dois convaincre Franck, comme ça vous allez retourner en ville. Oui, il s'est complètement rétabli. Avant que cette fille ne revienne avec une autre stratégie, parce que je ne lui fais pas confiance. Cette fille est une sorcière. Tu as un point. J'ai pleinement réfléchi là-dessus. Tu as vraiment raison. Tu dois me convaincre pour que vous rentriez. Vous devez retourner en ville. Oh.
Bébé? Chérie? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Bébé, oui, je vais bien. Écoute, j'ai fini de ranger mes bagages. Alors il est temps pour nous de partir. Bébé, s'il te plaît, je vais te demander une faveur. Vas-y. Je pense que ça serait gentil de ma part d'aller voir Shizuba comme nous partons du village. Tu veux aller la voir? Je veux juste lui dire que nous partons. C'est bon. Donc, si tu veux aller la voir, j'irai avec toi. Bébé, tu vas aller avec moi? Bien sûr. Oui. Ok, allons-y. Shizuba. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mon cœur bat encore pour toi. Tu sais, parfois, j'aurais aimé être célibataire. Tu aurais dû être l'heureuse élue. Mais j'ai quelqu'un qui a été là pour moi. Et je ne suis pas prêt à la blesser. Je suis venu te dire que je suis en train de m'en aller pour la ville. Et nos sacs sont déjà prêts. Nous pouvons déchirer encore notre amitié. Je le fais encore. Nous pouvons toujours être des amis. Pas encore. Bébé, allons-y. Je t'en prie. Allons-y. Où sont Blessing et Frank? Je ne sais même pas où elles se trouvent. J'ai averti Blessing plusieurs fois de ne plus laisser Frank aller voir cette maléfique Shizuba. Hey, j'espère que tout va bien. Ah, en tout cas, je ne fais que demander. C'est pas comme si j'étais intéressée. Oh oui. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Bonjour, ma chère. Bon après-midi. Bonjour. Tu sais pourquoi je suis venu? Je suis venu basé sur l'accord qu'on avait. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez voir que j'ai une invitée. J'ai une invitée, s'il vous plaît. Est-ce que cela me concerne que tu aies une invitée? Hein? Ce que je veux, c'est mon argent. Donne-moi mon argent pour que je parte. Tu peux rester là pour tout ce que tu me chantes et t'amuser avec ton invitée. Pourquoi êtes-vous si avare? Non, dites-moi, pourquoi êtes-vous si égoïste? Nous ne vous devons pas un centime. Quoi? Nous avons versé toute la somme convenue. Nous ne vous devons pas un centime. Même un naira, nous ne vous devons pas. Nous n'avons que promis de vous donner l'argent par simple bonté. Cela ne veut pas dire que nous vous devons. Non, nous ne vous devons pas. Une promesse est une dette. Ah, Coco? Hein? Je t'ai donné le cœur de mon neveu pour que ton frère ait la vie. Et tu dis que tu ne me dois pas. Hein? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Hein? Il y a de la vie dans le cœur. Donne-moi mon argent que je parte. Ogona, j'ai quelque chose à faire à la maison. Je reviendrai plus tard dans la journée, ok? Je vais revenir. Très bien, ton invité est parti. Tu peux maintenant aller là-dedans, apporter l'argent et me le donner. Monsieur, hein? Vous êtes tellement méchant. Vous êtes un être humain sans cœur. Quel est votre cœur? Maintenant que vous l'avez annoncé au monde entier, à CNN, CNN vient de s'en aller. Juste, dites-moi, qu'avez-vous gagné? Que ce soit la CNN, ou Radio Nigériane, ou MTN International, je ne sais pas. Donne-moi mon argent! Je ne vous dois donne-moi aucun argent! Mon argent! Je ne vous dois J'ai pas! J'ai dit donne-moi mon argent, avant que je ne devienne autre chose!
Pourquoi? Polycarpe, pourquoi tu me tourmentes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va me chercher. Pourquoi, Polycarpe, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors tue-moi! Tue-moi, comme ça je te suivrai, on s'en ira! Tue-moi! Tue-moi! Va me chercher. Que j'aille te chercher. Que j'aille te chercher. Mais où donc? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Ah, oui! Je connais cet homme. Il est en quelque sorte lié au feu, Polycarpe. Hey! Hey! Ify, tu sais que voici ton domaine de définition, hein? Tu iras au bout de cette affaire, oui! Tu iras au bout de cette affaire. Monsieur, je suis désolée. S'il vous plaît, je suis désolée de la manière dont je vous ai parlé. Je suis désolée de vous avoir parlé ainsi. S'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ça ne se reproduira plus. Je vous promets que je vais vous payer votre argent, mais vous devez partir. Je ne veux pas que mon frère vous trouve ici, s'il vous plaît. Bicosiano. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que mon argent soit complet. Pas question. Ogona, qu'est-ce que cet homme fait ici? Ça fait presque 2 heures que cet homme est ici. Et il dit qu'il n'ira nulle part jusqu'à ce qu'on lui paye son argent. Comment? Mais nous lui avons payé son argent. Mais est-ce que tu as oublié que tu lui as promis un argent supplémentaire? Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est ici. Il est ici pour l'argent supplémentaire. Je t'ai dit que ces hommes pouvaient être avares. C'est un homme avare. Qu'allons-nous? Il hurle. Ogona. Hein? C'est quoi le problème? Rien. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. Cherchons un moyen de le faire sortir d'ici. Il a dit qu'il ne s'en allait pas, qu'il ne se levait même pas de cette chaise jusqu'à ce que l'argent touche sa main. Et tu dis que tu ne veux pas que Frank soit au courant de ça, alors que la CNN vient de partir. C'est qui? Hey! Ify, ma copine. Cette fille. Cette fille. Je suis dans la merde. Je ne veux pas que Frank soit au courant de tout ça. Il le sera. Comment? Lorsque le journal de 20h commencera. Bonjour. Oui. Vous vivez ici? Oui. Soyez le bienvenu. Merci. En fait, je m'appelle docteur... Izoma. Hey. Dieu l'a finalement fait. Tes ennemis ont été exposés. Je sais que tu ne me connais pas. Je m'appelle Ifioma, mais on m'appelle Ify pour couper court. Mais Soma, hey, j'ai vu ton oncle chez l'une de mes amies en train de demander de l'argent qu'il a utilisé pour vendre le corps de ton frère. En fait, ton frère n'est pas mort. Ils l'ont simplement tué. Je peux t'emmener dans cette maison. Comme ça, tu pourrais l'entendre par toi-même. Ce n'est pas nécessaire pour le moment. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici. J'étais le médecin qui a opéré votre frère. Nous avons fait une greffe du cœur. Et j'avoue que depuis cette opération, je ne suis plus le même. L'esprit de votre frère, je ne sais pas comment le dire, ne cesse de me tourmenter. Ah,
Alors, je suis vraiment désolé. Je devais venir m'excuser et confesser mes péchés. Oh, les gens sont méchants. Pourquoi ne vous a-t-il pas tourmenté? Les gens peuvent être méchants. Viens me montrer. Allons-y, je vais t'accompagner. Allons-y. Assassin. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Allons-y. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, je viens avec vous. Calmez-vous, madame. Je viens avec vous. Je suis vraiment désolé, calmez-vous. Ogona, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis placé ici depuis un bon moment. Et rien ne se passe. Est-ce que tu vas venir ici? Rien ne se passe. Nous sommes juste en train de causer, c'est tout. Rien. Regardez, comme elles ne veulent pas vous expliquer ce qui se passe. Elles n'arrêtent pas de vous dire rien. Je veux qu'elles me payent pour ce cœur avec lequel vous respirez. C'est simple, très simple. Blessing, Ogona, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Bébé, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas. On ne comprend rien. Et qu'est-ce que de vous quoi racontez? Est-ce qu'ils parlent? Nous ne savons pas. Je ne comprends rien, Zito. Mes excuses, monsieur. Je ne savais pas que vous devez de l'argent pour la grève de mon cœur. Je ne savais pas. Ils ne me l'ont pas dit. Ogona, combien? Hey! La CNN est là. Le journal du jour. Docteur, pourquoi êtes-vous ici? Metsoma, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Aufort, le secret n'est plus un secret. Tonton, pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi es-tu si méchant, Tonton? Qu'est-ce que tu fais? Metsoma, ne me tue pas! Pourquoi? Ne me fais pas de mal! Je suis un vieillard, ne me fais pas de mal! Hein? Tonton, pourquoi tu es si méchant? Vous voyez ce que vous faisiez? Vous voyez ce qui se passe? Tonton, hein? Tu vas ramener mon frère! Docteur, vous êtes venu avec mes hommes. Tu vas ramener mon frère! Hein? C'est pour ça que vous êtes venu, hein? Hein? En complicité avec cet assassin de médecin, vous avez arraché le cœur de mon frère! Et vous le leur avez vendu! Je l'ai fait pour notre bien, hein? Tonton, pour le bien de la famille. Tonton, non, c'est pourquoi tu as refusé que je voie la dépouille de mon frère. Tonton! Tonton, tu dois ramener mon frère à la vie. Docteur, je ne peux pas. Ressaisis-toi. Je suis désolé. Crois-moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Je ne le savais pas. S'il te plaît, ressaisis-toi. Il n'y a aucune quantité de larmes qui ramènera ton frère en vie. Oh. Blessing, je suis très déçu par toi. Et même par toi, Ogona. Vous auriez dû me laisser mourir. Au lieu d'arracher la vie de ce jeune homme qui se battait avec son propre cœur. Pourquoi? Franck. Je suis désolée. Je suis vraiment tellement désolée. Je l'ai fait pour te sauver la vie. Selon ce que le médecin a dit, il est ici, tu peux lui demander. Il a dit que ses mains et ses pieds étaient foutus. Monsieur Aufort, ici présent, est celui qui a proposé de me vendre son cœur. À nous, je ne savais pas qu'il n'avait pas informé les membres de sa famille. Je n'étais pas au courant. Elle vous a dit toute la vérité. L'état de ce jeune homme, quand il est arrivé, était vraiment horrible. En fait, il était dans le coma. Et pour ce qui est de ses organes vitaux, aucun d'eux ne répondait absolument plus. En ce moment, sincèrement, j'ai vraiment honte de moi. Et même mon travail, je ne sais pas, ça pourrait même me coûter mon travail.
C'est à cause de la façon dont vous m'avez approché que nous avons décidé de le garder comme un secret. Je suis vraiment désolé. Vous êtes maléfique. Vous êtes maléfique. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. Mazo. Ils ont tué Polycarpe. Ils lui ont arraché son cœur. Et lui, cet homme maléfique, le leur a vendu. Ils ont tué mon frère innocent. Ils ont tué pas. Je suis désolé. Crois-moi, je suis désolé. Je n'étais pas du tout au courant de ce maléfice. Je ne le savais pas. Je suis désolé. Tizoba, je suis contente pour toi. Alors finalement, tu vas épouser Franklin. Et tu lui as aussi pardonné. N'est-ce pas ce que ton frère voulait? Oui, c'est pour ça que ton frère ne faisait qu'apparaître à moi, matin, midi, soir. Tu comprends? On dit que pardonner est... On doit pardonner. On doit toujours pardonner. Et tu sais que Franklin a promis de prendre soin de nous. Et ton éducation également. Je suis contente que tu t'es libérée. Blessing, son petit ami et sa sœur. Tu vois, n'importe qui ferait la même chose pour sauver la vie. Je sais. Je ferais pareil pour sauver mon frère. Merci. Merci pour ta compréhension. Merci. Merci. Si, je suis tellement contente. Je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi.